Nous célébrons en ce jour le dimanche de la mission universelle de l'Église. Le thème retenu pour cette année sera aussi celui de notre enseignement de ce jour. Il nous est impossible de nous taire. Il est inspiré d'Actes 4, 20. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Ce sont les apôtres. On dit aux apôtres, nous vous avons interdit de parler au nom de ce Jésus-là. Pourquoi vous continuez? Les apôtres répondent et disent, papa, il nous est impossible de nous taire. Parce que nous avons vu, nous avons entendu. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous avons été les témoins oculaires. Puisque nous avons vu avec nos yeux. Nous avons été des témoins avec nos yeux et nos oreilles. Alors, nous serons aussi des témoins avec nos bouches. Nous ne pouvons pas, en latin c'est « non possumus ». C'est « non possumus » qui signifie littéralement « nous ne pouvons pas ». Et la réponse que Pierre et Jean donnèrent aux autorités religieuses juives qui voulaient leur interdire de prêcher l'évangile. Leur réponse fut celle-ci. « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Répondez-nous, est-ce qu'il est juste de vous obéir à vous ou d'obéir à Dieu? Parce que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Actes 4, 19 à 20. Depuis cette réponse, « non possumus » est devenue une expression souvent reprise pour exprimer un refus catégorique. Quand vous voulez exprimer un refus catégorique, vous dites « non possumus ». Un refus catégorique avec cette nuance qu'il ne dépend pas de la personne sollicitée d'accorder la demande. « Non possumus » signifie « je ne peux pas reculer, ça ne dépend plus de moi. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Même si je l'avais voulu, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. » C'est ça, non possumus. Non possumus est même devenu un substantif. C'est ainsi qu'on parle couramment d'un non possumus. Il a opposé à notre demande un non possumus. Non possumus là est employé comme un substantif. À ma requête, il a opposé un non possumus. C'est-à-dire qu'il a refusé catégoriquement. Devant son non possumus, j'ai reculé. Non possumus est employé là comme un substantif. Le non possumus. Devant le non possumus de la population, le gouvernement a reculé. Le non possumus. En disant il nous est impossible de nous taire, nous voulons soutenir que parler de Jésus ne dépend plus de nous. Le feu de l'amour qui brûle en nous est tellement fort que nous sommes incapables de le contenir. Nous ne forçons pas. Nous ne forçons pas. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui vont écouter l'enseignement sur la mission universelle de l'Église et qui vont se dire, bon, comme j'ai écouté l'enseignement, je vais aller prêcher. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que Dieu te donne son feu. Quand le feu est en vous, vous allez parler. Vous n'allez même pas forcer. Quand le feu est en vous, vous allez parler. Imaginez tel que vous êtes là. On prend le feu, on vous met dans la chemise. Vous n'allez pas sauter. Vous n'allez pas crier. Quels que soient vos efforts, vous allez vous retrouver là en train de crier. Je vous ai parlé de l'histoire de cet homme-là qui était parti dans une famille le matin. Il arrive là, il trouve dans cette famille-là, on prenait le petit déjeuner. Alors on lui offre une tasse de thé. Il y a de ce thé-là, quand tu regardes comme ça, tu crois que c'est froid. Tu crois que c'est frais. Il n'y a pas d'évaporation dessus là. Et tu crois que c'est... Alors le monsieur a pris. Croyant que c'était frais ou c'était froid. Ou c'était un peu chaud. Dès qu'il a pris une gorgée, ça l'a tellement brûlé. Mais devant les gens qui étaient là, il avait honte de crier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé le silence. Mais en gardant le silence, les gens ont vu seulement les larmes couler. Les gens ont vu les larmes couler. Et les gens lui ont posé la question. Papa, nous sommes en train de manger. Tu pleures pourquoi?
et lui de dire, je pense à mon petit frère qui est mort dans les mêmes conditions. Ne pensez pas à son petit frère, mais le feu l'avait brûlé dans la bouche. Donc quand le feu de Dieu est en toi, même quand tu essaies de te taire, même les larmes vont couler. Donc quand le feu est en vous, vous allez parler. Ce n'est pas seulement le feu. Quand vous avez la joie, c'est difficile de la cacher, non? Ici, nous sommes dans une zone minière. On nous dit que les creuseurs de diamants, quand ils vont creuser du diamant, il peut arriver que l'un d'eux rencontre une pierre de grande valeur et qu'il la cache à ses compagnons de travail, à ses compagnons de lutte. Mais on arrive toujours à les dénicher. Pourquoi? Par sa joie, ou, enfin, entre guillemets, il va perdre les pédales, il va perdre le contrôle. Tout le temps, il va commencer à dire, bon, je commence à partir, bon, moi, je crois que je peux partir. Bon, comment tu peux partir? On est en train de travailler. Le diamant dans sa poche va le troubler. Il ne sera plus calme. Il voudra tout de suite la partir, aller partager cette joie avec sa femme, payer des histoires, changer déjà sa vie. Alors il est incapable de se maîtriser parce qu'il a quelque chose de bien. Il a le diamant en lui. Amen. Quand vous avez aussi le diamant dans le cœur, ça brille dans vos yeux. Ça brille sur votre visage. Ça brille dans votre comportement. Le diamant est dans votre cœur. Le diamant là, c'est le créateur du diamant. C'est Dieu. Quand Dieu est en vous, on le voit. Quand Dieu est en vous, on le sent. Amen. Regardez votre voisin. Qu'est-ce que vous sentez? Il a quoi dans le ventre? S'il a un diamant, vous allez voir, le diamant qui est dans le ventre va briller dans ses yeux, va briller sur son visage. Vous allez dire, ah, cet homme, il a Dieu en lui. Dieu est en lui. Il ne peut pas se taire. Quand bien même il aurait voulu, il ne va pas se taire. C'est plus fort que lui. Il lui est impossible de se taire. Donc l'essentiel, ce n'est pas de commencer à prêcher. L'essentiel, c'est de dire que Dieu me donne son feu. Si j'ai le feu de Dieu, je prêcherai contre vents et marées. Même si le monde entier est contre ma prédication, je prêcherai parce que ça vient du fond de mon cœur. Écoutez ce que disait Jérémie déjà en son temps. Tu m'as séduit, Yahweh, et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. Je suis prétexte continuel à la moquerie, la fable de tout le monde. Chaque fois que j'ai à parler, je dois crier et proclamer violence et dévastation. La parole de Yahweh a été pour moi source d'opprobre et de moquerie tout le jour. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais c'était en moi, c'était en mon cœur, comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. Jérémie dit, chaque fois que je parle de toi, Seigneur, les gens refusent. Les gens contestent, les gens ne veulent pas accepter. Alors je prends la décision, comme ils refusent là, je ne veux plus parler de toi. Alors, je rencontre toujours de l'insuccès. Je parle de toi, les gens comprennent mal. Je parle de toi, les gens ne m'écoutent pas. Je ne veux plus parler de toi. Il dit, quand je prenais la décision de ne pas parler de toi, de ne plus penser à toi, c'était en moi, en mon cœur, comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. J'ai m'épuisé à le contenir, mais je n'ai pas pu. Jérémie 20, 7 à 9. C'est ça qui doit arriver à chacun de nous. Il ne faut pas dire, ah non, Seigneur, je veux commencer à prêcher. Oh, on m'a nommé responsable de l'évangélisation à l'église, je veux commencer à prêcher. Non! Il faut demander le feu. Quand vous avez le feu en vous, vous allez prêcher. Tu m'as terrassé, tu m'as vaincu, tu as été le plus fort. Malheur, malheur, malheur en moi, si je renonce la parole du Seigneur. Malheur, malheur, malheur en moi, si je renonce la parole. La parole du Seigneur. Malheur à moi
pas si je n'annonce pas la parole. Et je ne penserai plus. Je me disais, je n'en parle plus à lui. Je me disais, je ne penserai plus à son nom. Alors c'était dans mon cœur comme un feu dévorant. Je me suis laissé séduire. Tu m'as terrassé. Tu m'as terrassé. Tu m'as vaincu. Tu m'as vaincu. Tu as été le plus fort. Malheur, malheur, malheur à moi. Si je n'en sors. La parole du Seigneur. Malheur, malheur, malheur à moi. De la mission universelle de l'église, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Est-ce que tu as le feu? C'est ça la vraie question. Tu as le feu. Qu'est-ce qui t'arrive d'être sur Facebook, d'être sur WhatsApp? Tu as seulement besoin de régler des comptes aux gens. Les gens qui m'ont combattu, ils auront chaud. C'est tout ce que tu publies. Il n'y a pas de parole de Dieu. Mais tu as pourtant l'occasion. Il y a quelqu'un qui va te lire. Mais tu ne profites pas de cette occasion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien en toi. Il n'y a que cette vengeance, cette haine. Et c'est ce qui te pousse à publier seulement des choses comme ça. Sur la politique, tu publies. Sur Jésus-Christ, rien. Tu as un manque de feu. Tu manques le feu. Parce que si tu avais le feu, si tu avais le feu en toi, tu annoncerais. Hier, tu as passé toute la journée. Tu as dit la parole de Dieu à qui? Tu vas commencer aujourd'hui ou demain? As-tu le feu de Dieu en toi? C'est ça la vraie question en ce dimanche de la mission. Est-ce que j'ai le feu? On me demande d'annoncer. Est-ce que je peux y aller annoncer si je n'ai pas le feu? Il faut que j'aie le feu. Ce feu de l'amour n'est autre que le Saint-Esprit que nous recevons sans mesure et qui témoigne avec nous. Pour comprendre ce thème, il nous est impossible de nous taire. Nous allons méditer sur des personnages de la Bible qui, pour de bonnes ou mauvaises raisons, n'ont pas su te taire. J'ai relevé 15 personnages dans la Bible. 10 personnages positifs et 5 négatifs. Des personnages qui n'ont pas su se taire, qui ont parlé, qui pouvaient aussi dire, il m'est impossible de me taire, il nous est impossible de nous taire. Alors je les ai choisis parmi 1000 autres. Ils sont nombreux, mais j'ai choisi les 15 là. Parce qu'ils peuvent nous aider. Et ce sont des personnages de la Bible qui nous sont familiers pour la plupart. Alors nous allons méditer comment ils n'ont pas su se taire. Et dans chaque prise de parole, il y a un message, une manière d'être missionnaire. Chaque fois que j'évoquerai un personnage, c'est une manière de vous dire, imiter ce personnage, c'est une manière d'être missionnaire. Être missionnaire aujourd'hui, c'est imiter ces 10 personnages. Être missionnaire aujourd'hui, pour nous qui sommes ici, c'est ne pas imiter les 5. Parce que je prélève les 10, 5 bons de l'Ancien Testament, 5 bons modèles du Nouveau Testament. Et je prends 5 anti-modèles, 5 contre-exemples, que j'ai tiré du Nouveau et de l'Ancien Testament. Je n'ai pas voulu prendre encore 10 anti-modèles, non. Comme les mauvais exemples ne nous édifient pas, nous avons pris 10 bons exemples contre 5 mauvais exemples. Mon enseignement a deux parties. Première partie, les modèles missionnaires à imiter. Deuxième partie, les modèles, entre guillemets, missionnaires à ne pas imiter, à ne pas suivre. Alors, dans la première partie, les modèles missionnaires à suivre, il y a deux grandes parties. Les modèles vétérotestamentaires, les modèles de l'Ancien Testament, et il y a les modèles néotestamentaires, les modèles du Nouveau Testament.
Dans la deuxième partie, je prends seulement 5 modèles tirés et de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est impossible de nous taire. Les modèles missionnaires à imiter. Dans les textes de ce jour, nous sommes invités à annoncer la bonne nouvelle. La première lecture nous invite à faire de l'Église la montagne en tête des montagnes et qui s'élève au-dessus des collines. Amen. Isaïe 2, 1 à 5. Comment dire que nous sommes la première Église, nous les catholiques, et ne pas être les premiers en tout? Si vous êtes le premier en âge, vous devez aussi être le premier dans d'autres domaines. Nous devons être, à travers toi, à travers chacun de nous, la montagne en tête des montagnes, la montagne qui s'élève au-dessus des collines. Et chacun de nous a cette lourde responsabilité. C'est ça aussi la mission universelle de l'Église. Elle passe par toi. Là où tu vis, à l'école, au travail, au marché, partout où tu es, fais un effort pour que, à travers toi, l'Église catholique soit la montagne en tête des montagnes, la montagne qui s'élève au-dessus des collines. Amen. Dites à votre voisin que par toi, l'Église catholique soit la montagne en tête des montagnes, la montagne qui s'élève au-dessus des collines. Dis-lui par toi que l'Église catholique soit la montagne en tête des montagnes, la montagne qui s'élève au-dessus des collines. C'est possible, bien-aimé. Là où tu vis, les gens peuvent dire, mais tout le monde vole, sauf ce catholique. Tout le monde triche, sauf ce catholique. Comme cette glorieuse histoire que nous avons du Congo. Nous avons eu des présidents de la République, nous avons eu, deux catholiques, jusque-là. Mobutu et Kassavubu. Mouzé, on ne sait pas s'il était de quelle église. Mais l'autre Kabila était musulman. Fatshi est des églises de réveil. Mais le président catholique, sur deux, nous avons quand même donné un bon, Kassavubu. On dit qu'il ne volait pas. Il remettait l'argent. Déjà, quand vous le regardez comme ça, un prêtre, il a même des problèmes pour tuer une mouche. Amen. Même si on le cite dans la mort de Lumumba. Bon, retenons que ce président catholique-là, on a dit, il ne volait pas. Donc, les catholiques peuvent quand même s'en targuer. Dites, non, nous avons eu un président dans ce pays, il ne volait pas. Il allait en mission, il remettait l'argent. Acclamons pour Kassavubu, le président catholique. Bon, les autres, on ne sait pas s'ils remettent. Amen. Mais Kassavubu, on a gardé ça de lui, qu'il remettait. C'est un catholique. Bon, demande maintenant à ton voisin. En quoi est-ce que toi aussi tu es le Kassavubu dans ton université, dans ton lieu de travail? Si on vole, tu vas voler ou tu ne vas pas voler? En toute vérité, si dans ton école on vole, dans ton entreprise on vole, voleras-tu? D'ailleurs, c'est moi qui vais leur donner l'idée. Donc, tu dois te distinguer. Toi, comme élève étudiant catholique, que par toi, l'Église soit la montagne au-dessus des montagnes. La montagne au-dessus de toutes les collines. Hein, on dit, oh, ça c'est un catholique différent. Grâce à toi, des catholiques doivent être fiers. Comme maintenant, là, je vous dis, nous sommes fiers de Kassavubu. On doit aussi être fiers de toi comme catholique. Là où tu es, celui-ci c'est un catholique qui ne se laisse pas corrompre. C'est un catholique incorruptible. Amen. Dis à ton voisin, sois ce catholique-là. La montagne dont on parle, ce n'est pas seulement l'église catholique. C'est pour le cas d'espèce pour nous, la paroisse. Que par toi, la paroisse soit la montagne au-dessus de toutes les montagnes, la montagne au-dessus de toutes les collines. Qu'on dise, ah, ces jeunes ici qui ne dérangent pas en classe. Il est de quelle paroisse? De la paroisse universitaire. Cette fille serviable, elle est de quelle paroisse? De la paroisse universitaire. Par toi, que l'Église soit la montagne au-dessus de toutes les montagnes. Pas seulement par ton témoignage de vie, mais aussi par ta connaissance. Tu dois connaître la Bible au point de défendre l'Église. Quand il y a des débats, toi le catholique, tu prends la parole, les gens disent, mais il ne va rien dire. Quand tu parles, ils se taisent, mais toi tu n'es pas catholique? Pourquoi vous dites je ne suis pas catholique? Parce que nous, l'image que nous avons des catholiques, c'est que ce sont des gens superficiels qui ne connaissent pas les Écritures. Mais toi, tu nous as donné un autre témoignage. Sois ce catholique-là.
Il n'y a que ces catholiques-là différents qui vont jouer un rôle dans la mission actuelle de l'Église. Les catholiques moyens, les catholiques qui n'aiment pas la prière, les catholiques qui ne lisent pas la Bible, ils ne servent à rien dans ce contexte. Tu vas servir à quoi? Connais la Bible. Achetez votre Bible et ayez plusieurs versions de la Bible. Un bon chrétien a plusieurs versions. Il faut avoir plusieurs versions de la Bible. Quand tu lis, tu dis, mais ça c'est Louis II. Je vais un peu voir comment Tov traduit. Je vais voir comment Bible de Jérusalem traduit. Je vais voir comment la Bible du Semeur traduit. Je vais voir comment les témoins de Jéhovah traduisent. Je vais voir comment Louis II traduit. Je vais voir comment... Hein? Parce que ça va t'enrichir. Les différentes versions sont enrichissantes. Voilà la première lecture. Être la montagne en tête de toutes les montagnes. Isaïe 2, 1 à 5. Dans la deuxième, parlant à Timothée, son fils spirituel, Paul écrit, lisons ensemble, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Un chrétien ne doit pas être timide. Quand il s'agit de parler de Dieu, il doit avoir le feu. Nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. N'ayez donc point honte. Le chrétien a honte de pécher, mais il n'a pas honte de témoigner. Il a peur de pécher, mais il n'a pas peur de témoigner. Tu dois témoigner. D'où notre thème, il nous est impossible de nous taire. Aie honte du péché, n'aie pas honte de ta foi. C'est ça, nous avons besoin de chrétiens qui se signent en public, qui font le signe de croix dans l'avion, dans les restaurants, qui n'ont pas peur de prier, qui n'ont pas peur de montrer leur foi. Car l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Nous n'avons donc pas à avoir honte de notre Seigneur. Et Paul ajoute, il dit à Timothée, n'aie même pas honte de moi, ton prisonnier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils peuvent être des chrétiens en combattant leur pasteur. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. N'estime pas que c'est une honte. Oh, mais ton pasteur là, il est en prison, non? Non, n'aie pas honte. Dis-leur, il est en prison pour une bonne cause. N'aie pas honte de lui. Et il ajoute, il dit, souffre avec moi pour l'évangile. 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 Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent pour manger. Ils disent à leur femme, je souffre pour nourrir cette famille. Les mamans qui disent, je souffre pour vous nourrir. Maman, quand est-ce que tu souffriras pour l'évangile? Aujourd'hui, j'ai aussi souffert pour l'évangile. Je n'avais pas moyen de transport, mais je suis allé chercher tel frère qui ne vient plus à la prière. Chercher telle sœur qui est endeuillée. J'ai souffert aussi pour l'évangile. J'ai pris de mon argent, j'ai acheté des Bibles et j'ai donné aux gens. J'ai aussi souffert pour l'évangile. Être missionnaire, c'est aussi souffrir pour l'évangile. Dis à cette fille-là, tu as beaucoup souffert pour ce garçon. Souffre maintenant pour l'évangile. Dis à ce garçon-là, tu as beaucoup souffert pour cette fille. Souffre maintenant pour l'évangile. Je souffre pour cette fille. Pour notre travail, nous souffrons pour ceci, nous souffrons pour cela, mais nous souffrons pas assez pour l'évangile. Alors beaucoup de gens se retrouveront au dernier jour là. Dieu dit, est-ce que tu as souffert pour moi? Est-ce que moi j'ai souffert pour toi? Oui Jésus, tu as souffert pour moi. Et toi, as-tu souffert pour moi? Ah non Seigneur, je t'ai servi seulement, mais je n'ai pas souffert pour toi. Dans l'évangile, Jésus ressuscité dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19 à 20. Dans ce verset, quelle est
l'action la plus importante? Quelle est l'action la plus importante? Matthieu 28, 19 à 20. Certains ont cru que c'est baptiser. Baptiser. Certains ont cru que c'est enseigner. L'action la plus importante ici, c'est faire des disciples. Disciple, ça veut dire apprenti. Disciple, ça veut dire élève. J'ai besoin d'avoir des chrétiens qui sont des élèves, qui viennent à l'église pour apprendre. Je ne veux pas avoir ici un séminaire pour professeurs d'université, non. C'est une école. Est-ce que quand tu es chrétien, priant ici à la paroisse universitaire, tu sens que tu es un élève? Tu sens que tu es venu apprendre? Si tu dis oui, c'est que j'ai réussi la mission que Jésus m'a confiée. Faire de toutes les nations des disciples. Il y a des églises où les gens sont là assis, tous connaissent. Ils connaissent plus que les prêtres. Il ne leur manque qu'une chose, l'ordination sacerdotale. Mais ce sont des prêtres. Ce sont des prêtres dans les bancs. Mais vous avez échoué. Alors vous voyez, beaucoup de chrétiens ne sont pas des disciples. Une fois, je prêche et je fais un geste. J'ai dit, c'était à la fin de l'année. J'ai dit, mais bien-aimés, Dieu nous a gardés. Nous sommes en bonne santé. Parce que Dieu peut te compliquer la vie. Tu te retrouves paralysé. Tu ne sais plus marcher. Tu commences à marcher comme ça. Tu commences à marcher comme ça. J'ai terminé l'enseignement. Une dame me suit là. Je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait encore? Il dit, tu as imité mon père. J'ai dit, finalement, on peut prêcher ou on ne doit pas prêcher? Donc, on peut plus donner des exemples. Beaucoup de chrétiens sont comme ça dans les paroisses. Alors, c'est pourquoi ça ne marche pas. On peut dire, ah, les prêtres ne prêchent pas bien. Le prêtre a peur. Dès qu'il regarde dans le public, il veut donner un exemple. Maman Dorothée ouvre grandement les yeux contre lui. Il veut donner un exemple. Fernand ouvre les yeux. Alors, il devient superficiel. Bien aimé dans le Seigneur. Aimons-nous. Aimons-nous seulement. Pratiquons l'amour. Entendons-nous. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il a maintenant peur. Tous les chrétiens l'effraient. Mais si vous avez une assemblée de disciples, comme cette maman de Kinshasa dont je vous ai déjà parlé ici, je prêche sur Jonas. J'ai dit, tu as abandonné le travail de Dieu. Tu as fui parce qu'on t'a compliqué dans ton groupe. Je termine l'enseignement. La maman me suit à la sacristie en pleurs. Elle dit, monsieur l'abbé, au tout ingaï, elle pleure. Et elle me donne une offrande de $50. Il y a des disciples. Donc là, ils vous disent, prêche. Même si ça nous fait mal, prêche. Quand tu nous prêches, tu nous soignes. C'est comme tu as une plaie. On doit la nettoyer. Même si ça fait mal, il faut qu'on nettoie la plaie. C'est ça les disciples. Ils viennent à l'église pour apprendre. C'est ça la première mission que Dieu a confiée aux prêtres. Pas avoir une assemblée pleine de gens orgueilleux, tous des professeurs. Une église de maîtres et de maîtresses, non. L'église doit être une église des disciples, une église d'apprentis, des hommes et des femmes qui viennent pour apprendre. Et un des traits de l'apprenti, de l'élève, il vient à l'église avec un cahier et un stylo. Regarde, tous ceux qui n'ont pas de cahier, qui n'ont pas de stylo, ce sont des professeurs. Saluez-les. Bonjour, monsieur le professeur. Tu es venu donner cours. Un disciple, un élève vient avec un cahier, il prend note. C'est un disciple. Donc, quand tu viens sans papier, sans bic, ça veut dire que tu te dis, tout ce qu'on va dire, je connais, j'ai déjà donné cours là-dessus. C'est mon cours. C'est votre cours? Amen. Demandez à votre voisin, ce qu'on prêche là, c'est votre cours? Je lisais la blague quand j'étais jeune. Un enseignant demande à un élève, monsieur, tu viens en classe sans stylo. Que penserais-tu d'un soldat qui irait en guerre sans son fusil? Je dirais, c'est un général. Faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que nous avons réussi à faire de vous des disciples? Oui, en partie. À travers certains d'entre vous, nous avons fait des disciples. C'est-à-dire, partout où ils iront, ils seront des apprentis. Ils viennent à l'église pour apprendre. Les prêtres qui les auront seront contents. Ça, c'est un disciple. On peut tout lui prêcher. Il va accepter. Il est venu pour apprendre. Tu ne vas pas aller à l'école. Tu arrives à l'école, tu commences à imposer ta matière à toi. Non, nous ne voulons pas de ce cours-là. Enlever la géographie. Nous voulons seulement étudier le français. Tu dois te soumettre au programme. Le programme, c'est maintenant, on sonne deuxième heure. Prends éducation physique. Tu enlèves les habits, tu portes la tenue de gymnastique.
qu'on te dit là, tu dois faire. Tu ne vas pas dire, non, moi je ne suis pas venu pour la gymnastique. Tu dois suivre, c'est au programme, éducation physique. Oh, je n'aime pas l'esthétique. Il y aura un terreau. Ah, esthétique, pourquoi on étudie ça? Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations. Donc la chorale, vous êtes dirigeant de la chorale. Votre travail, la mission, c'est faire des choristes des disciples. Alors, un prêtre réussit sa mission lorsqu'il peut dire, ah, Roméo, un disciple. Fernand, un disciple. Moussas, un disciple. Laurent, sont des disciples. Là, j'ai réussi ma mission. Mais quand je commence à dire, ça, c'est un maître, professeur. Un enfant, il va à Kinshasa aujourd'hui, il va apprendre le lingala. Alors que toi, l'adulte là, le maître, si on t'amène à Kinshasa aujourd'hui, tu parleras difficilement lingala. Mais un enfant, vous l'amenez aux États-Unis, vous l'amenez en Angleterre, vous l'amenez en France, en Espagne, il va parler la langue. Parce qu'il a la capacité d'apprendre et de désapprendre. Pas seulement d'apprendre, apprendre et désapprendre. Donc, il peut renoncer à des choses. Mais un vieux, il va vous dire, de notre temps, du temps de l'Église catholique. Oui, par exemple, ici, j'ai dit des messes. Il y a des gens qui voient notre salle ici. C'est une salle, ce n'est pas une église. C'est une salle que nous avons transformée parce que notre église est en construction. Alors, il y a des catholiques là qui me voient, par exemple, je prêche avec une chasuble bleue. Alors, c'était un débat. Non, ça, ce n'est pas l'Église catholique. Comment il peut avoir une chasuble bleue? Toi, tu es catholique, tu es déjà promené partout. Tu es catholique de Mujima, il est dans le fond. Tu as déjà été en Inde. Dans les églises en Inde, on entre à l'église pieds nus. Vous arrivez à l'église, vous trouvez les chaussures dehors. Toi, tu ne vas pas entrer. Tu vas dire, non, ça, ce n'est pas l'église catholique. C'est l'église catholique de l'Inde. Il y a des particularités liturgiques d'après les églises. Il y a des catholiques dans le monde, des prêtres mariés, mais catholiques. Il y a des églises en Égypte, par exemple. Vous trouvez les catholiques coptes là. Des prêtres sont mariés. Vous voyez vraiment un prêtre comme ça avec sa femme. Donc si tu vas là-bas, tu vas fouiller. Ça, ce n'est pas catholique. Comment les prêtres sont mariés? Tu ne connais pas ton église. L'église catholique est une, mais diverse. Il y a des choses que tu ne connais pas. Moi, j'ai fait la théologie et je vais venir inventer des choses qui n'existent pas. C'est toi qui ne connais pas. C'est toi qui dois demander. Monsieur l'abbé, je ne comprends pas la chasuble bleue. Ça, c'est un disciple. La chasuble bleue là, c'est quoi? Mais toi, tu viens dire, ce n'est pas l'église catholique. Comment il peut porter la chasuble bleue? Tu deviens maître. Tu deviens maître. Tu deviens maître. Toi, tu dois demander. Ça, c'est notre prêtre de notre église. Il ne peut pas faire ça comme ça par mauvaise foi. Moi, je dois demander. Je suis un disciple. Je vais poser la question. Je ne connais pas. Lui a fait la théologie. Il connaît plus que moi dans cette matière. Pardon, monsieur l'abbé. J'ai vu que vous avez porté la chasuble bleue. Signifie quoi? Qu'est-ce qu'on porte? Je vais t'expliquer. J'ai dit oui. La chasuble bleue peut être portée à des occasions. La couleur bleue, c'est une couleur mariale. Et on accepte de plus en plus les chasubles bleues. Celle que j'ai là, je l'ai payée à Rome. En Espagne, lors des fêtes des maris, on porte des chasubles bleues. Amen. Donc il y a des choses qui ne sont pas des hérésies. Mais tu dois apprendre. Alors, est-ce que tu es un disciple? Un disciple ne conteste pas. Un disciple pose la question. Quand tu ne comprends pas, est-ce que c'est comme ça? Expliquez-moi. Voyez le monsieur là, l'Éthiopien. Il revient de Jérusalem, non? Et Philippe vient et lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il a répondu comment? Comment comprendrais-je si personne ne m'explique? C'est ça un disciple. Mais nous les chrétiens aujourd'hui, la plupart des chrétiens savent déjà tout. Ils connaissent mieux que leurs prêtres. Ils connaissent même mieux que leurs pasteurs. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, les chrétiens catholiques qui critiquent le cardinal. Ah, les cardinaux! C'est quand même l'autorité religieuse chez les catholiques la plus éminente. Quand il dit des choses, taisez-vous. Toi, dans ta famille, tu auras un cardinal. Acolyte, d'abord, vous avez difficile à avoir un acolyte. Chez toi, il y a un acolyte. Vous avez même un lecteur. Dans la famille, ils n'ont même pas un lecteur. Oh, cardinal! Laisse le cardinal faire son travail. Et donc, ah, le cardinal dit ceci. Le pouvoir passera. L'église demeurera. Un vrai chrétien est d'abord fils de l'église avant d'être membre d'un parti politique.
demande à ton voisin, tu es d'abord fils de l'église ou membre d'un parti politique? Fils de l'église. Ça, c'est là qu'il y a ma vie éternelle. Moi, je suis d'abord fils de l'église. Fils de l'église vient avant même mon appartenance régionale, provinciale, tribale. Fils de l'église. Quand il y a les intérêts de l'église et les intérêts de ma tribu en jeu, je prends ceux de l'église. Amen. Demande à ton voisin. Tu es plus fils de l'église ou membre d'un parti politique? Sois un disciple. Faites de toutes les nations des disciples. Alors chaque chrétien doit se juger par rapport à ça. Suis-je un disciple? Suis-je un disciple? Est-ce que j'écoute comme écoute un disciple? Ou je viens à l'église, j'écoute comme écoute un opposant? J'écoute comme écoute un opposant. Moi, je viens écouter. Dieu va m'interpeller aujourd'hui. Tout ce que le prêtre va dire aujourd'hui là. J'ai prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, à travers ton serviteur, parle-moi. Parle-moi. Amen. Proposer à notre méditation en ce dimanche de mission, ces textes nous invitent à être des missionnaires. Aussi avons-nous trouvé judicieux de méditer sur ce modèle missionnaire biblique. J'ai pris les textes. Avec cette partie, j'ai expliqué les textes du jour. Donc j'ai dit, première lecture, toi catholique, que par toi, l'église catholique soit la montagne au-dessus de toutes les montagnes et la colline au-dessus de toutes les collines. Ça va? J'ai donné des exemples. Deuxième lecture, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous devons témoigner, nous ne devons pas avoir honte de témoigner. Ayons honte du péché, ayons honte du mal, mais n'ayons pas honte de témoigner. Deuxième lecture. Troisième lecture, faites de toutes les nations des disciples. Et je vous ai expliqué ce qu'est un disciple. Et chacun peut se dire, moi dans cette église, suis-je un disciple ou un maître? Est-ce que je viens ici pour apprendre ou je viens ici pour critiquer ce que le prédicateur va dire? Voilà les lectures du jour. Mais pour approfondir le thème qui est « Il nous est impossible de nous taire », j'ai choisi des personnages. Cinq modèles vétérotestamentaires qui nous disent à leur manière « Il nous est impossible de nous taire ». Dans l'Ancien Testament, nous avons trouvé beaucoup de modèles missionnaires. Mais nous nous sommes laissés interpeller par ces cinq. Ils nous disent à leur manière, il nous est impossible de nous taire. J'ai pris Joseph, le fils à papa, la servante de la femme de Naaman, la femme de Shunem, les quatre lépreux du temps d'Élysée, Raphaël alias Azarias. Premier exemple, modèle missionnaire, Joseph, le fils à papa. Joseph, le fils à papa, comme modèle missionnaire. Écoutez ce que dit la Bible sur Joseph. Voici l'histoire de Jacob. Joseph avait 17 ans simplement. Il gardait le petit bétail avec ses frères. Il était jeune, avec le fils de Bilha et le fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père le mal qu'on disait d'eux. Israël, c'est-à-dire Jacob. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse. Et il lui fit faire une tunique ornée. Ses frères virent que son père l'aimait plus que tous ses autres fils, et ils le prirent en haine, devenu incapable de lui parler amicalement. Il y a un détail qui retient là-bas. On dit, Joseph rapporta à leur père le mal qu'on disait d'eux. Il ne pouvait pas se taire. Il nous est impossible de nous taire. Lui était le fils de Jacob et de Rachel. Son papa Jacob, sa maman Rachel. Alors, il arrivait que les fils de Léa, les fils de Bilha et les fils de Zilpa, les servantes de sa maman et de sa belle-maman, disons, de sa belle-maman, oui, disons comme ça, critiquaient papa Jacob. Quand on critiquait papa Jacob, Joseph ne pouvait pas se taire. Papa, lorsque nous étions là-bas à garder les brebis, les enfants de Bilha ont dit ceci, les enfants des Zilpa ont dit ceci, les enfants de maman Léa ont dit ceci. Ils t'ont critiqué avec maman Léa, avec maman Bilha, avec maman Zilpa, ils t'ont critiqué. Joseph ne pouvait pas se taire. Il lui était impossible de se taire quand on critiquait son père.
Joseph, fils de Jacob et de Rachel, rapportait à ses parents les critiques de ses demi-frères à leur endroit. Par-delà la mouchardise que peut cacher ce comportement, nous prenons Joseph comme modèle missionnaire car il nous invite à comprendre que l'esprit de famille est un aspect très important dans l'œuvre missionnaire. Le diable le sait, mais beaucoup de chrétiens l'ignorent. Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine, et nulle ville, nulle maison divisée contre elle-même ne saurait se maintenir. Le diable est uni. Vous n'avez jamais entendu que les démons étaient en train de se critiquer? Vous avez déjà vu les occultistes à la télévision en train de se critiquer? La Rose Croix en train de dire non, nous dépassons la franc-maçonnerie. Mais nous les chrétiens, nous sommes les plus divisés. Même à l'intérieur d'une famille, d'un petit groupe de 10 personnes, nous sommes des lecteurs, mais entre nous, il y a des camps. Nous nous critiquons entre nous. Nous détruisons l'esprit des familles. Nous sillons l'arbre sur lequel nous sommes assis. Joseph est un modèle missionnaire en sens qu'il nous apprend que la famille, c'est quelque chose de sacré. Et la famille dont je parle moi ici, c'est l'Église. Tu ne dois pas te taire quand on critique l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Lui, c'était l'un des cadets. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il n'avait pas de force. Il ne pouvait pas dire à ses frères. Au moins, il disait à papa. Il dit, papa, sache qu'on te critique, hein. On dit ceci, on dit cela. Et papa était sur ses gardes. Il savait ce qu'on disait de lui. J'ai dit ça ici. J'ai dit, puisqu'il ne peut pas être l'accusateur de ses frères, le chrétien doit au moins réprouver ceux qui combattent la famille de l'intérieur. Donc quand tu es chrétien, c'est notre famille. Nous sommes tous membres de l'Église. Toi, tu es fils de Jacob. Il y a des erreurs dans la famille. Pourquoi tu ne vas pas dire à papa? Tu vas dire à côté? Donc, vous vous excluez de la famille. Et Joseph n'était pas d'accord avec ça. Donc, je t'invite à travers le modèle de Joseph de dire, même si tu ne peux pas commencer à venir accuser les autres chrétiens auprès de l'évêque, auprès du curé, auprès de tel responsable, au moins, réprouve ceux qui ont l'habitude de critiquer la famille. S'il y a un problème, va parler à ton frère. Mais ne les critique pas dans des cercles privés. N'ayez pas un cercle de 3-4 fils et filles de Bila, fils et filles de Zilpa, fils de Léa, en train de critiquer Jacob, en train de critiquer Rachel, en train de critiquer Joseph, de critiquer Benjamin. Non! Nous avons un même père. Nous avons un même père. S'il y a des problèmes, allons tous nous prendre auprès du père. Pas des petits cercles là de mécontents à côté. Ah, ils sont toujours comme ça. Lui aime seulement Joseph. Non! Soit le fils qui est toujours du côté de son père. Ça aussi c'est l'évangélisation. L'Église meurt de quoi? De ça. Des chrétiens qui se plaignent de tout et de rien. Des chrétiens qui n'ont pas l'esprit de famille. Sur Joseph se conclut en disant, qui agit ainsi a le droit de recevoir de son père la tunique ornée de la piété filiale. Chaque père spirituel a une tunique ornée et il la donne au fils le plus filial, à la fille la plus filiale. Joseph lui s'est dit, ah, ça c'est mon papa, hein? On critique papa, moi je n'entre pas dedans, moi je ne suis pas d'accord avec eux, mais comme je suis le tout petit, je n'ai pas la force de leur faire des remarques, au moins je vais dire à papa, au moins, même si tu ne sais pas aller dire, et tu n'es pas obligé de le faire. Au moins, réprouve cela. Refuse cela. Toi, sois le garçon le plus filial. La famille, c'est ça. Nous devons respecter la famille. Dans nos familles ici, nos papas avaient des erreurs. Moi, mon père avait des erreurs. Mais c'est resté mon père. Je pleure. C'est toujours mon papa. C'est toujours mon héros. C'est toujours mon champion. Mais je connais ses erreurs. Mais je dis, malgré les erreurs, c'est mon champion. C'est mon héros. Parce que mon papa avait un courage extraordinaire. N'ayant pas fait beaucoup d'études, papa a quitté ici pour aller à Lubumbashi. À l'époque, il ne connaissait pas les Swahili, ce papa là. Il est allé là-bas, il s'est débrouillé toutes ces années jusqu'à sa mort ici. Il ne connaissait toujours pas bien les Swahili. Mais il est allé là-bas, il a travaillé, il nous a fait étudier, nous sommes ce que nous sommes ici. C'est mon champion. Aujourd'hui, si moi je lis, c'est mon père. Lui ne lisait pas, mais il me payait toujours les journaux. J'ai lu Mujumbe, Likembe, Salongo. Mon papa m'a acheté Jeune Afrique, Zahir. Vous avez des papas ici qui sont jeunes. Hein? Est-ce que ton papa déjà te paye Jeune Afrique? Tu as un papa licencié. Il ne t'a jamais payé Jeune Afrique. Moi, mon papa,
Il n'est même pas diplômé. Il m'est payé Jeune Afrique. Moi, j'ai lu Jeune Afrique payé par mon père. Il est très. Et si je le fais pour mon père biologique, je dois le faire aussi pour mes pères spirituels. Mais comment la mission de l'église va-t-elle aller de l'avant avec des fils des Zilpa, une église remplie de fils et de filles des Zilpa et des Bila, qui croient que la famille ne leur appartient pas, qui pensent que la famille ce sont les autres. Toi aussi tu es fils de Jacob. Le sang qui est dans tes veines, c'est le sang de Jacob. S'il y a un problème, va dire à ton papa, c'est le même sang qui coule dans tes veines. Le sang qui coule dans tes veines, c'est celui-là qui coule dans ses veines. Joseph, le fils à papa. Modèle missionnaire, hein? C'est un modèle missionnaire. Parce que comment on va prêcher l'évangile si vous n'aimez pas ceux qui prêchent l'évangile? Tu combats le cardinal, tu vas dire à quelqu'un de devenir catholique comment? C'est comme maintenant là, oh, l'église catholique, la gratuité, bien aimé. Disons-nous la vérité en France. La gratuité n'a pas été bien étudiée. Ça ne marche pas. Mais il y a des gens qui disent, oh, l'église catholique, ils n'aiment même pas la gratuité parce que ça leur prend leur argent. Ils profitaient beaucoup des écoles, maintenant là, ils n'ont plus l'argent. La gratuité profite aux enseignants de la brousse. Mais les enseignants de la ville, la gratuité est une mauvaise mesure. Oui, parce que l'enseignant de la brousse recevait, par exemple, comme salaire, 6 000 francs, 10 000 francs. Maintenant, il a tout d'un coup 200 000, à peu près 100 dollars. Pour lui, il a gagné. Mais l'enseignant du collège Boboto, l'enseignant de Djibwa, qui avait sa prime et qui recevait en plus de sa prime le petit rien là qui venait du gouvernement, il avait quand même quelque chose. Mais maintenant, il n'y a plus de prime. Qui viennent des parents, il a ce. Mais il souffre. Vous allez lui demander, non, c'est les changements, prends les peu là. Mais lui, il avait déjà pris une maison en fonction de son salaire là. Il avait déjà un standing de vie en fonction de son salaire là. Mais maintenant, il va vivre comment? Mais les gens ne veulent même pas comprendre ça. Ah non! L'église catholique! Mais comment avec ça? Toi, tu critiques que l'église catholique est contre la gratuité. C'est pourquoi les cardinaux parlent, parce qu'il est contre la gratuité. Tu vas encore gagner une âme à l'église catholique? Les dimanches de la mission universelle de l'église, a quel sens pour toi si tu critiques ton père? Si dans l'église, tu es fils et fille de Bila et de Zilpa, comment vas-tu gagner une âme à l'église? C'est impossible. Deuxième exemple, qui est semblable au premier, la servante de la femme de Naaman, modèle missionnaire. Joseph ne pouvait pas ne pas parler. Il lui était impossible de se taire devant les critiques que ses demi-frères adressaient contre papa Jacob. Il ne pouvait pas. Mais il y a une servante, une petite fille encore. Joseph a 17 ans, modèle missionnaire, mais cette petite, jeune fille aussi, toute jeune, modèle missionnaire. On parle souvent de la guérison de Naaman, du général lépreux, le Syrien Naaman. Mais beaucoup ignorent celle qui, dans l'ombre, a contribué à ce miracle. La Bible parle d'elle en ces termes. Les Araméens, c'est-à-dire les Syriens, sortis en razzia, avaient enlevé du territoire d'Israël une petite fille qui était entrée au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître s'adressait au prophète de Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. » 2 Rois 5, 2, 3. C'est à partir de cette parole que tout le monde va se mettre en branle, que tout le monde va se mettre en mouvement, que Naaman va aller voir son roi, que son roi va écrire au roi d'Israël pour dire, je t'envoie le général Naaman qui est lépreux, guéris-le. Le roi dit, mais ça c'est notre problème, moi je suis roi, est-ce que j'ai guéri les gens de la lèpre? Élisée va apprendre cela, il va dire, dites au roi qu'il dise à Naaman de venir ici et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Mais tout est parti du témoignage de cette petite fille qui a dit à sa maîtresse, « Ah, si seulement le général Naaman s'adressait au prophète de Samarie, à Élisée, Élisée le délivrerait de sa lèpre. » Cette fille n'a pas parlé de Dieu. Vous avez entendu ce Dieu? « Ah, si seulement mon maître s'adressait au prophète de Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. » Il y a le mot Dieu là. Il y a le mot de Jésus-Christ là. La fille a fait la publicité de qui? Elle a fait la publicité de son prophète. Et c'est ça qui a mis en mouvement Naaman. Sa femme lui a dit, il y a un prophète en Israël. Il va te délivrer de la lèpre. Va le voir. C'est cette petite fille qui travaille chez nous qui nous l'a dit. Cette petite fille avec quel témoignage? Cette petite fille avec quel témoignage? C'était une petite fille.
Mais comment cette petite fille a su que chez nous, il y a un prophète qui délivre de la lèpre? Jacob avait un fils. Avait un fils qu'il connaissait, Joseph. Mais Élisée avait une fille qu'il ne connaissait pas. Cette petite fille, sans nom, petite fille, elle a dit, il y a un prophète en Samarie. De là où je viens, il y a un prophète, il délivre de la lèpre, que le général Naaman aille le voir. Joseph n'a pas voulu, ne voulait pas qu'on parle de son père en mal. Mais la petite fille, elle a parlé de son père en bien. C'est une autre dimension. Il y a des chrétiens qui disent, non, ne parlez pas en mal des prêtres, ne parlez pas en mal des prêtres. Mais il y a des chrétiens qui parlent en bien de leur pasteur. Qui parlent en bien de leur pasteur. Qui font la publicité de leur prophète. C'est ça aussi la mission. Avant d'être une annonce de Jésus-Christ dans ses rudiments, la mission est d'abord cette pub que tu fais à ton pasteur et à ton église. Le garçon là qui ne vient pas ici, il connaît Jésus. Il sait que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais pourquoi il ne vient pas prier ici? Il veut que toi tu lui dises, nous avons une belle église. Nous avons une belle communauté. Nous avons un bon prophète. Nous avons un bon pasteur. Jésus il connaît, Jésus n'a pas de problème. Jésus est infaillible, tout le monde est d'accord avec lui. Mais les gens ont des problèmes avec nous, les gens ont des problèmes avec les églises. C'est ainsi que les chrétiens doivent vanter leurs églises et doivent vanter leurs pasteurs s'ils veulent gagner les âmes. Parce que Jésus lui, on n'a plus à les vanter, tout le monde connaît les prouesses de Jésus, tout le monde croit en Jésus, tout le monde le connaît, il sait qu'il est infaillible. Si pas tout le monde, mais tout le monde quand même a cette réputation. Jésus n'a pas de problème avec les gens. Peut-être si tu rencontres un musulman, il faut encore le convaincre. Mais les chrétiens qui sont là, qui sont fatigués, qui n'aiment pas aller à l'église. Non, parce que tu vas demander à un chrétien, pourquoi tu ne pries plus? Ah, je suis déçu par les pasteurs. Pourquoi tu ne pries plus? Ah, je suis déçu par les chrétiens. Mais c'est à toi de dire, non, nous avons une belle communauté. Dans notre communauté, il y a Enoch Mangapi, un bon garçon. Il est gentil, il vous salue avec respect. Dans notre communauté, il y a Maman Émérance, elle est toujours souriante. Dans notre communauté, il y a Laurent, un garçon qui prie. Il y a Adolphe, non, c'est un bon garçon. Donc, trouve quelque chose à dire de positif sur chacun de tes frères et tu gagneras une âme. Mais si toi-même tu quittes ici l'église, dès que tu pars, tout ce qu'il y avait de bon dans l'église, là, tu n'en parles pas, tu ne parles que du négatif. Comment veux-tu qu'on gagne les âmes? Comment veux-tu? Tu veux une chose et son contraire? Tu parles mal de tes pasteurs, tu parles mal de tes évêques, tu parles mal du cardinal et tu veux gagner les âmes à l'église catholique, tu n'en gagneras pas. Tu n'en gagneras pas. Ah, tu dis, mais le cardinal, l'évêque, le prêtre, il fait le mal. Toi, tu fais toujours le bien. Toi, tu fais toujours le bien. La femme n'a pas dit que le prophète était sans faute. Elle a dit, il délivre de la lèpre. Toi aussi, cherche quelque chose de positif qu'il y a dans ton pasteur et fais du bruit autour. C'est ça que tu connais. C'est ça que tu sais. Par exemple, ici, va dire au monde, j'ai un pasteur, chaque dimanche, il nous donne les feuillets. Il écrit les feuillets. Ce matin, il a écrit un feuillet. Ça, c'est un nouvel enseignement. Il a écrit hier. Il a veillé la nuit pour écrire ça. Et il nous donne les papiers gratuitement. Fais même du bruit autour de ça. J'ai un pasteur qui nous donne les papiers gratuitement. Si les autres choses, je ne les ai pas, mais au moins, tu as le papier. Tu vas encore ajouter. Non seulement il a donné le papier, il a fait aussi un poème. Et toute semaine, cette semaine, il nous a fait des poèmes. Sur les lectures, il fait poème avec rime. Ah, j'ai un pasteur, hein? Il a fait poème. Regardez encore mon pasteur, il a fait encore un poème. Ce matin. Où est-ce qu'il trouve le temps? Parce qu'on était avec lui toute la journée là-bas. On l'embrouillait chez lui là. Il somnolait sur la chaise. Alors il a écrit le poème quand? Nous étions chez lui jusqu'à 21h. Il a écrit quand? Dis même ça. Si tous les autres points, tu n'as pas de certitude. Au moins tu as la certitude sur ce papier ici. Cette fille aussi, c'est tout ce qu'elle avait appris de positif sur le prophète. Elle dit, il te délivrera de la lèpre. Je ne connais peut-être pas ses autres qualités, mais la qualité dont j'ai des preuves, il délivre de la lèpre. Il délivre de la lèpre. Il délivre de la lèpre. Est-ce que toi tu vas dire, tu ne sais rien de ton pasteur, de positif? Les chrétiens d'aujourd'hui croient mal. Ils ne croient pas en catholique. L'église catholique, c'est l'église des anges et des saints. Les autres églises disent seulement Dieu. Mais curieusement, dans le concret,
Ce sont les autres églises là qui glorifient leur pasteur. Deuxième modèle missionnaire, la servante de la femme de Naaman. J'ai dit ici dans mon texte, cette petite fille nous enseigne que la mission, avant d'être annonce de Dieu, est d'abord témoignage sur le prophète, sur l'homme de Dieu. Le monde ne sera gagné au Christ que s'il entend le chrétien crier au sujet de son prophète, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Deux rois, 2:12. Commençons d'abord à aimer nos pasteurs. J'ai dit souvent ça aux chrétiens de Kinshasa. Nous, les chrétiens en province, nous dépassons les Kinois. Parce qu'à Kinshasa, j'ai déjà remarqué, la plupart des chrétiens, quand je leur demande comment s'appelle votre curé, nombreux ne connaissent même pas le nom du curé. Ils décrivent le curé. Mais le vicaire ne connaît pas le nom. Ici, à l'intérieur, on a encore le respect des hommes de Dieu. C'est déjà positif. Mais il faut ajouter cette dimension. Le respect comme crainte, c'est bien. C'est-à-dire que tu es comme fils de Bila, fils des îles, pas. Tu critiques à côté. Mais quand tu vois Jacob, bonjour papa. C'est ça. En province. Ma Kinshasa, c'est Farah Farah. Moindre erreur, on écrit contre toi. Le prêtre parle, les gens acclament. Mon père, char d'Israël et son attelage. Et un chrétien normal, c'est celui-là qu'on critique. On dit, ah, toi tu exagères. Toi tu es mouvancier. On doit dire ça. Quand tu es chrétien dans une paroisse, qu'on dise que tu es le mouvancier du prêtre. Quand tu es prêtre dans un diocèse, qu'on dise de toi, tu es le mouvancier de l'évêque. C'est normal. C'est comme ça qu'on critiquait Joseph, qu'il était le mouvancier de son père. Qu'il était le fils à papa. Tu es libre. Joseph a dit à son père, j'ai vu en rêve que vous tous, vous étiez à genoux devant moi. C'est-à-dire, il était libre. Mais les autres ont considéré que c'était un hypocrite, c'était un mouchard. Oui, qu'il dit ça. Mais au moins, c'est un bon signe. C'est ce que j'ai toujours dit, même au sujet des mariés. Quand vous êtes marié et que les gens vous critiquent, que votre femme vous domine, c'est que vous vivez bien. En général, les gens qui vivent bien avec leur femme, le monde dit que leurs femmes les ont dominés ou ont dominé sur eux. Amen. Vous avez suivi le deuxième modèle? Troisième modèle, la femme de Shunem. Shunem, ce n'est pas un homme, c'est une ville. Un jour qu'Élisée passait à Shunem, une femme de qualité, une femme de distinction, qui y vivait, l'invita à table. Depuis, chaque fois qu'il passait, il se rendait là pour manger. Elle dit à son mari, voilà, je suis sûr que c'est un saint homme de Dieu qui passe toujours par chez nous. Construisons-lui donc une petite chambre haute avec des murs et nous y mettrons pour lui un lit, une table, un siège et une lampe. Quand il viendra chez nous, il se retirera là. Deux rois 4, 8 à 10. Cette femme est extraordinaire. Le prophète mange déjà chez elle. Elle peut s'en contenter. Elle peut dire, oui, le prophète mange chez moi, ça suffit. Elle va faire plus. Au lieu qu'elle s'habitue à la grâce et qu'elle s'enlace, elle ne se lasse pas de la grâce, elle bâtit à la grâce une chambre haute. C'est ça que chaque chrétien doit faire. Tu vis avec la grâce, ne te lasse pas de la grâce, construis à la grâce une chambre haute. Elle a demandé à son mari, construisons une maison en étage. L'homme de Dieu doit vivre à l'étage. 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 Je vous ai dit que j'ai donné des cours de philosophie orientale. Et chez les bouddhistes, quand le moine demande de l'aide, ce n'est pas le moine qui reçoit l'aide qui dit merci. C'est le croyant qui donne l'aumône qui remercie le moine. Qui lui dit, parce que toi tu es moine, le bouddhisme peut aller de l'avant. Merci d'être moine. Ce n'est pas au moine de dire merci. C'est à celui qui donne au moine de lui dire merci. C'est une profondeur bouddhiste qui peut nous éclairer. Imaginez un peu une église sans prêtre. Imaginez. Donc c'est à vous de remercier le prêtre. Il y a le pire qui n'a pas encore fait. Et c'est ça qui vous permet quand même de parler, de vous promener et même de les critiquer. Parce que si je deviens fou, vous n'allez plus me critiquer, vous m'abandonnez. Remerciez le prêtre, il fait votre fierté. Il y a eu ici dans le monde, un jour, le pape Benoît, il a seulement démissionné. Vous avez vu le cataclysme mondial.
Pourquoi le pape démissionne? Pourquoi le pape démissionne? Ça, il nous a humilié. J'ai reçu des appels et des appels des catholiques. J'étais en Europe. Mais vous savez pourquoi il démissionne? Dites-nous la vérité. C'est quoi? Et le problème? Comment le pape peut démissionner? Mais le pape... Donc quand le pape est là, remerciez Dieu. Remerciez le cardinal d'être là. Remerciez le prêtre. Cette femme dit, cet homme de Dieu est un saint homme de Dieu. C'est un... Quand il dit saint homme de Dieu, ne comprend pas. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il ne commet pas les péchés. C'est-à-dire que c'est saint au sens de kadosh. C'est un homme redoutable. C'est un révérend. C'est ça qu'elle dit. C'est un homme redoutable. Voilà, voilà pourquoi lui, sa maison doit être à l'étage. Tu regarderas le prêtre comme saint, dit la Bible, parce qu'il offre la nourriture de ton Dieu. Pas saint parce qu'il ne commet pas de péché, mais saint de par sa fonction. Cette femme, vous savez quoi? Elle n'avait pas d'enfant. Elle ne fait pas ça pour que le prophète prie pour elle, pour qu'elle ait des enfants. Non. C'est plus tard que le prophète demandera à Élisée, qu'est-ce qui manque à cette femme? Et on va dire, elle n'a pas d'enfant. On va même l'appeler, maman, tu n'as pas d'enfant? Non, ne me dérange, moi je n'ai pas de problème. Moi je vous ai aidé seulement, ce n'est pas pour l'enfant. C'est pas pour l'enfant. Au point que quand l'enfant va mourir, elle va même dire au prophète, est-ce que moi je t'avais demandé l'enfant? Est-ce que moi je t'avais demandé l'enfant? Moi je vivais déjà comme ça, je n'ai jamais demandé d'enfant, je t'ai jamais demandé l'enfant. Elle a dit ça au prophète. Donc elle faisait le bien sans intérêt. Et sans intérêt, elle a bâti une maison. Dans l'architecture de sa maison, une chambre haute pour l'homme de Dieu, un lit pour l'homme de Dieu, une table pour l'homme de Dieu, une lampe pour l'homme de Dieu. Il mangera ici, il dormira chez nous. Elle ne s'est pas habituée à la grâce. Elle a bâti à la grâce une chambre haute. Elle avait, avant nous, compris cette parole du Christ. Qui accueille un prophète en tant que prophète recevra une récompense de prophète. Et qui accueille un juste en tant que juste recevra une récompense de juste. Tu n'as pas toujours besoin d'évangéliser. Les dimanches de la mission universelle de l'Église ne t'invitent pas seulement à chercher à aller prêcher. Soutiens ceux qui prêchent. Cette femme ne prêchait pas. Elle a accueilli un prédicateur. Elle a accueilli un prophète. Et la Bible dit, si tu accueilles un prophète, tu seras récompensé comme lui. Si tu accueilles un juste, tu seras récompensé comme lui. Et je vous prêche souvent, je vous dis, c'est ça le raccourci pour aller au ciel. Vous n'avez qu'à soutenir les prophètes et les saints. Un homme de bien, soutenez-le. Il y a une récompense. Vous serez récompensé de la même manière que lui. Donc, un chrétien devrait être un dénicheur de prophètes, un dénicheur de justes, de saints. Ah, je crois que cet enfant est saint. Cette fille se comporte bien. Je vais la soutenir. Parce que la Bible dit, si je soutiens, je l'accueille, cette fille juste, cette sainte fille, Dieu me récompensera. Si je soutiens ce prophète, Dieu me donnera la récompense des prophètes. Le prophète va aller prêcher à Kinshasa, en Côte d'Ivoire, il se part à Lubumbashi. Mais moi, je n'irai pas. Tout ce que je peux faire, le soutenir. Et la Bible dit, si je le soutiens, Dieu me payera comme lui. Amen. Amen. Et là, c'est une des tares des catholiques. Les catholiques vont vous appeler. Moi, je vois ça sur WhatsApp. Un catholique t'appelle. Il te gronde même. Il dit, envoie-moi toute la vidéo là. C'est combien de mégas? Quand moi, je dois envoyer la vidéo, c'est de l'argent. Et lui ne sait pas. Quand je n'envoie pas, il commence à me gronder. Comme tu refuses, reste avec. Merci beaucoup. Je ne vais plus te demander. C'est ça les types de catholiques que nous avons. Mais très peu comme ça comprend que monsieur l'abbé là, il a besoin de mégas. Pour mettre une vidéo en ligne, il faut les mégas. Pour enregistrer comme ça, il faut des appareils. Monsieur l'abbé, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Ça, en tout cas, c'est très bien. Mais ce travail demande de l'argent. Mais les catholiques sont là juste pour faire des remarques. C'est pas bien. L'endroit là, c'est pas une église catholique. L'église catholique, il y a des rideaux comme ça. Hein? Et puis on a mis les drapeaux. Quelqu'un m'a demandé, pourquoi vous mettez les drapeaux? Mais nous sommes des Congolais. C'est ça son problème. Lui ne suit pas l'enseignement, il voit les drapeaux. Mais pourquoi on a mis les drapeaux? Pourquoi on met les drapeaux? Ça l'embête tellement. Il ne prie même pas ce soir-là. Pourquoi tu ne pries pas? J'ai vu les drapeaux dans une église. Ne soyez pas de ces catholiques-là. Si vous ne pouvez pas faire ce que font les prophètes, soutenez-les. Si vous ne pouvez pas faire ce que font les justes, soutenez-les.
Soyez des dénicheurs, des prophètes et des justes. Cet homme est juste, cet homme est honnête, je prie pour lui. C'est comme au Congo aujourd'hui, nous sommes contents. Oh, Jules Alinguete, Jules Alinguete, oh, IGF. Je me pose la question ici. Quel est le chrétien qui a déjà prié pour Jules Alinguete? Dans ta prière, tu dis, Seigneur, en tout cas, Jules Alinguete fait un travail difficile, un travail très dangereux, garde-le. Même ça. Même ça. Nous ne pouvons pas ne pas soutenir. Cette femme a dit, non, je ne peux pas laisser passer ce prophète ici. Il doit rester chez moi. Il mange déjà. Elle dit, ah, prophète, mange chez moi, ça suffit. Non. Elle dit, il mange chez nous, il doit venir dormir chez nous. Or, le réflexe général de tout homme, il mange chez nous, ça suffit. Qu'il vienne. C'est notre manière de le soutenir. Qu'il vienne rester ici. Qu'il dorme ici. Quatrième modèle, Ancien Testament toujours, les lépreux du temps d'Élysée. Un jour, alors qu'Israël, assiégé par les Syriens, mourait de faim, le prophète Élysée annonça la baisse vertigineuse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Les dieux qui confirment la parole de ses serviteurs fit alors retentir dans le camp des Syriens un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée. Dieu, c'est un metteur en scène. Il n'y a pas d'armée, mais il crée le bruit. Les Syriens encerclaient la Samarie. Les gens ne pouvaient plus manger. Les gens mouraient de faim. C'est l'histoire là des deux femmes qui vont s'entendre. Donne-moi ton enfant, on le mange, demain on mange le mien, et après il change, etc. C'est venu de là. Il y a une grande famine. Le roi, quand il apprend que les gens commencent à se manger, il prend des gens. Élisée parmi nous, nous en arrivons là. Non. Aujourd'hui, je vais tuer Élisée. Quand Élisée apprend ça, il sort une prophétie. Il dit, demain, il y aura baisse des prix. Tout le monde va retrouver son pouvoir d'achat. Et ce qui va arriver, les soldats syriens qui avaient eu des biens, qui étaient venus là-bas en campagne pour attaquer la Samarie, Dieu va faire retentir un bruit des chars et des chevaux. Il n'y a pas de chars, il n'y a pas de chevaux, mais Dieu fait retentir un bruit des chars et des chevaux. Que Dieu fasse de même quand les ennemis viennent attaquer. Sans chevaux, sans chars, que Dieu fasse retentir seulement le bruit des chars et des chevaux. Le bruit d'une grande armée. C'est pourquoi je me moque quand les chrétiens disent, quand vous faites des signes de croix, là, il y a quoi? Petit, il y a quelque chose. Nous invoquons le Dieu qui est capable, à partir de ces signes ici, de faire retentir le bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée. Qu'est-ce qui va arriver? Les Araméens, les Syriens vont s'enfuir. vont s'élever, s'enfuir. Au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Ils vont tout abandonner. Alors ces jours-là, il y aura pillage. Et lors du pillage, puisqu'il y aura pillage, il y aura baisse vertigineuse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Mais avant qu'il y ait baisse des prix pour tout le monde, il y a quatre lépreux qui seront les premiers témoins de ce miracle. La Bible parle d'eux en ces termes. Quatre lépreux arrivèrent à la limite du camp et pénétrèrent dans une tente. Ayant mangé, quand les Syriens ont pris la fuite, les tentes sont restées vides. Les quatre lépreux là en ont profité pour entrer dans une tente. Ils ont mangé et bu. Ils ont emporté de là argent, or et vêtements qu'ils allèrent cacher. C'était les lépreux qui étaient les premiers à voir ça. Ils ont pris l'argent, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont pris des habits, ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent. Ils sont allés cacher. Puis ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent du butin qu'ils allèrent cacher. Donc ils vont encore entrer dans une deuxième tente, ils vont encore ramasser des biens, ils vont aller les cacher. Alors ils se dirent entre eux, nous faisons là quelque chose d'injuste. Comment nous avons des biens comme ça? Nous ne disons pas aux autres. Non, nous faisons là quelque chose d'injuste. Ces jours-ci,
est un jour de bonne nouvelle. Et nous nous taisons. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Et nous nous taisons. Si nous attendons que le matin se lève, un châtiment nous frappera. Dieu risque de nous frapper si nous gardons pour nous cette bonne nouvelle. Maintenant, venez, allons porter la nouvelle au palais. Deux rois 7, 8 à 9, ils sont allés, eux qui étaient lépreux, qui étaient mis en quarantaine, vont aller porter la bonne nouvelle au palais royal. Amen. 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 Quand tu gardes aussi la bonne nouvelle, tu fais quelque chose d'injuste. Il y a un châtiment qui va fondre sur toi. Les lépreux disent, nous faisons là quelque chose d'injuste. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Et nous nous taisons. Et nous nous taisons. Un jour de bonne nouvelle et nous nous taisons. Si nous attendons que le matin s'élève, un châtiment nous frappera. Maintenant, venez. Allons porter la nouvelle au palais. Au palais royal. Mais ils étaient en quarantaine. Ils étaient mis au banc de la société. Mais parce que Dieu a fait d'eux les témoins de ce miracle, les portes vont s'ouvrir devant eux. Amen. Nous sommes ces lépreux mis au banc de la société, mais qui sont réhabilités par l'annonce de la bonne nouvelle. Lisons à la lumière de cet épisode ces textes célèbres. Maudit celui qui fait avec négligence le travail du Seigneur. Maudit qui prive de sang. Jérémie 48, 10. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ils disent, si nous attendons que le matin se lève, un châtiment nous frappera. Il y a beaucoup de gens que Dieu a bénis, qui ont la parole. Toi, par exemple, tu viens d'entendre ce message aujourd'hui. Tu as quelque chose que tu peux partager avec tes parents. Tu as quelque chose que tu peux partager avec tes frères. Même ton petit frère, tu peux l'appeler. Tu dis, petit frère, nous étions à l'église aujourd'hui. Écoute ce qu'on nous a dit. J'ai retenu un point. Tu peux partager ça avec ton petit frère. Et chaque fois que tu entends des bonnes choses, que tu les gardes pour toi, ah, tu te cherches des problèmes. Maudit celui qui fait le travail du Seigneur avec négligence. Si celui qui fait avec négligence est maudit, que dire de celui qui ne fait rien? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, si je n'annonce pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle était prêchée, elle t'est annoncée aujourd'hui. Je suis là en train de t'annoncer. Vas-tu la garder pour toi? Si tu la gardes pour toi seul, tu fais quelque chose d'injuste. Un châtiment va fondre sur toi. Un châtiment va fondre sur toi. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Tu as entendu cette bonne nouvelle? Va la partager. Quand tu as Dieu, tu dois le partager. Ça c'est le quatrième modèle. Les quatre lépreux de Samarie. Ce sont des lépreux. Vous voyez dans la vie, vous êtes un lépreux. Il y a des jeunes gens qui croient que prêcher la parole, c'est rien. Qui croient qu'évangéliser, c'est rien. Je vous donne l'exemple. Jean Pliat, un professeur d'université. Mais nous le connaissons pas comme professeur d'université, mais nous le connaissons comme quelqu'un qui a joué un rôle important dans le renouveau charismatique catholique. À cause de son rôle dans l'évangélisation au sein du renouveau charismatique, il est allé aux États-Unis. Il est allé partout dans le monde prêcher Jésus-Christ. C'est que sa fonction de professeur ne lui a pas donné, l'évangélisation le lui a donné. Beaucoup de chrétiens croient ici qu'ils n'émergeront seulement à travers la médecine. Ils émergeront seulement à travers l'économie. C'est faux. Dieu peut t'avoir fait faire l'économie pour que le jour où tu t'étendras debout, on dise, tu sais celui qui prêche la parole là, il est docteur en économie. Mais il prêche Jésus-Christ. Ça va apporter un plus à ce que tu fais. Dieu a voulu que tu fasses la médecine afin que le jour où tu t'étendras debout, que ta parole devienne plus crédible. Que les gens disent, vous savez celui qui chante là, vous savez celui qui prêche là, c'est un médecin du gouvernement congolais. Mais il prêche la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu t'a fait passer. Ne pensez pas que dans la vie, vous réussirez seulement en étudiant ces histoires-là que vous avez étudiées. Il y a peut-être une réussite qui vous attend sur le champ de l'évangélisation. Vous croyez, vous tous, que vous émergerez comme médecin. Jean Pliat, professeur d'université, moi je le connais d'abord comme quelqu'un qui a publié des livres sur Jésus-Christ, sur la foi chrétienne, sur le renouveau charismatique. Dieu te l'a dit aussi aujourd'hui à toi. Ne pense pas que tu émergeras seulement en faisant ce que tu fais là. C'est lépreux,
ont été accueillis dans la société, non pas parce qu'ils ont fait l'économie, non pas parce qu'ils ont fait telle et telle science, on les a acceptés, ils sont entrés dans le palais royal, le roi les a écoutés, car ils étaient porteurs de la bonne nouvelle. Tu as la lèpre, ce qui te guérira de la lèpre, c'est la bonne nouvelle que tu porteras. C'est le message que tu porteras. Le message t'ouvrira le passage. Amen. Le message t'ouvrira le passage. Le message te donnera le passage. Amen. Dis à ton voisin que le message t'ouvre le passage. Je l'ai dit au prêtre et à moi-même. Je ne sais pas ce que je serais bien aimé si je n'étais pas prêtre. C'est vrai, quand on est déjà prêtre, on peut dire, oh, si je n'étais pas prêtre, je serais un bon avocat, je serais ceci, je serais cela. Ce n'est pas évident. Moi, Abbé Blaise, je dois confesser devant vous que j'étais aussi au banc de la société. J'étais un lépreux. Je suis né d'une famille pauvre. C'est la bonne nouvelle qui nous a sortis de notre léproserie. C'est à cause de l'évangile qu'on peut parler de nous. C'est à cause de l'évangile que même les politiciens peuvent nous écouter. C'est l'évangile. Nous sommes des lépreux. Si je ne prêchais pas l'évangile, qui allait m'écouter? C'est l'évangile qui nous donne du crédit. C'est l'évangile qui nous libère de l'ostracisme dans lequel notre lèpre nous maintenait. C'est l'évangile qui nous sort de la quarantaine. Que la bonne nouvelle te sorte de la quarantaine. Que la bonne nouvelle te sorte du confinement. Parce qu'il y a les malheurs qui te confinent, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Il y a une lèpre qui te confine. Mais l'évangile va t'ouvrir les portes. Tu vas entrer jusqu'au palais royal. Amen. Il y a une bénédiction liée à ce travail. Mes chères filles, mes chers fils, qu'on ne vous trompe pas. Ne pensez pas qu'on perd son temps en prêchant l'évangile. La prédication de l'évangile est rentable pour la vie éternelle et déjà ici sur terre. Quand tu prêches l'évangile, Dieu s'occupe de toi. Même toi, tu n'es pas prêtre. Fais un bon effort, commence à prêcher l'évangile, tu verras quelqu'un qui va te donner une chemise. Ça, c'est un avant-goût de ce que tu auras au ciel. Au ciel, Dieu te donnera la vie éternelle. Mais les petits riens que tu reçois là, de l'un et de l'autre, sont les avant-goûts du ciel. Amen. Cinquième et dernier modèle pour l'Ancien Testament, Raphaël alias Azarias. Après avoir été béni par la compagnie de l'ange Raphaël, déguisé en Azarias, Tobie voulut le récompenser en lui donnant la moitié de l'argent qu'il avait amené de chez Gabaël. C'est alors que Raphaël prit tous les deux Tobie à l'écart et leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit? Lisons. Bénissez Dieu. Célébrez-le devant tous les vivants pour le bien qu'il vous a fait. Bénissez et chantez son nom. Faites connaître à tous les hommes les actions de Dieu comme elles le méritent. Et ne vous lassez pas de le remercier. Il convient de garder le secret du roi, tandis qu'il convient de révéler et de publier les œuvres de Dieu. Remerciez-le dignement. Faites ce qui est bien et le malheur ne vous atteindra pas. Tobie 12, 6 à 7. Amen. Que dit Raphaël qui peut retenir notre attention? Il convient de garder le secret du roi. Si le roi fait quelque chose pour vous, gardez ça. Mais les œuvres de Dieu, il faut faire quoi? Il faut les révéler. Il faut les publier. Ça signifie quoi? Ça signifie que la mission consiste à révéler et à publier les œuvres de Dieu. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Je n'ai pas la matière. Moi, je vais l'expliquer quoi? Je ne connais pas l'évangile. Je ne maîtrise pas les choses.
Dis seulement aux gens, raconte au monde ce que Dieu a fait pour toi. C'est déjà l'évangile. Ce matin, il m'a réveillé. C'est l'évangile. Il m'a gardé toute la nuit. C'est l'évangile. Il a protégé mes parents. C'est l'évangile. Il va encore me protéger. C'est l'évangile. Tu n'as pas besoin de dire qu'on me forme d'abord. Que je connaisse les tenants et les aboutissants de la doctrine trinitaire. Tu n'as pas besoin de ça. Raconte au monde les merveilles de Dieu. C'est ça l'évangile. Il y a des gens qui sont sur des lits d'hôpitaux. Toi, Dieu t'a préservé. Il y a des parents dont les enfants ont été initiés à la sorcellerie. Tes enfants, toi, Dieu les a préservés. Tu peux dire merci. Tu as une femme qui t'écoute. Tu as un homme qui te respecte. Tu as un mari qui n'est pas infidèle. Tu n'as pas à te plaindre de ton mari, de ta femme. Bien-aimé, c'est une grâce. Bien-aimé, c'est une bénédiction. Tu peux évangéliser avec ça. Tu peux te tenir devant le monde et dire, Dieu m'a donné. Sans difficulté, j'ai eu des enfants. Sans difficulté, j'ai eu un mari. J'ai une femme qui m'écoute, qui me respecte. J'ai un mari qui m'honore. J'ai des enfants bien éduqués. J'ai des enfants qui m'écoutent. Je peux aussi témoigner de la bonté de Dieu. Je peux aussi dire au monde, j'ai un Dieu bon qui marche avec moi. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Amen. Les modèles néo-testamentaires, les modèles du Nouveau Testament, qui nous disent à leur manière, il nous est impossible de nous taire. Premier modèle, Marie chez Élisabeth. Dès qu'elle reçut l'annonciation, Marie partit et s'est rendue en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Luc 1, 39 à 40. Donc Marie reçoit le message de Gabriel. Elle ne le garde pas. Elle n'est pas un congélateur. Elle n'est pas une banque. Il dit, je ne suis pas une banque. Je ne peux pas garder ça. Dès qu'elle reçoit le message, elle s'est rendue en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. À l'école de Marie, nous apprenons que l'annonciation engendre toujours la visitation. Et nous comprenons mieux cette recommandation. Ne saluez personne en chemin. Luc 10, 4. La mission étant l'urgence des urgences, on doit sacrifier la salutation sur l'autel du salut éternel. Jésus, quand il envoie ses disciples, il dit, allez, ne saluez personne en chemin. Parce que les Juifs, le peuple de l'Orient en général, ils perdent beaucoup de temps en se saluant. Quand un Juif te salue, te demande, même les Arabes font ça. Bonjour, comment ça va? Et la santé? Et les enfants? Et la famille? Et le bonheur? Et la joie? Donc, ils posent des questions sur tout. Alors Jésus dit, ne saluez personne en chemin, c'est-à-dire, ne perdez pas le temps saluant les gens. C'est une mission urgente. C'est ainsi que Marie se rend en hâte chez Élisabeth. Elle ne s'arrête pas en chemin. Elle va en hâte vers la région montagneuse. Dès qu'elle reçoit l'annonciation, elle se met en marche pour la visitation. Voilà que ce matin, voilà que ce jour, Dieu t'a donné la grâce de l'annonciation. Tu as écouté la parole. Dès qu'on sort d'ici, passe à la visite, à la visitation. Va voir quelqu'un. Et Marie arrive là. Et Élisabeth s'étonne. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Tu es béni entre toutes les femmes. Et Marie dit quoi? Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Et là, vous savez, Marie, l'ange ne lui a pas donné l'argent. C'est ça que je dis, c'est un modèle d'évangélisation par excellence. Parce que l'ange ne lui donne pas l'argent. L'ange ne la touche même pas. L'ange lui parle simplement. La parole. Seulement la parole. Elle a demandé comment cela se fera. Il dit, l'Esprit Saint descendra sur toi. Tu vas concevoir.
Et l'enfant que tu vas concevoir, tu vas mettre au monde, on l'appellera fils du Très-Haut. Amen. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait. Elle dit, Amen. Pas nos Amen. Nous disons Amen, nous restons. L'Amen reste dans la chaise là. Amen. Sur la chaise. Amen. Sur la chaise. Elle a dit, Amen. Dès que l'ange part, elle aussi s'élève. Elle va. Comme on l'a dit, ta cousine Elisabeth aussi. Dieu a fait pour elle aussi des grandes choses. Qu'il y ait une rencontre des deux miraculés. Toi, la miraculée, vierge qui a mis au monde, tu vas aller à la rencontre de la vieille qui a mis au monde. Toi, la vierge qui vient de concevoir, tu vas rencontrer la ménopausée qui a aussi conçu. Deux miraculés vont se rencontrer. Marie chez Élisabeth. Elle arrive, Élisabeth l'accueille. Oh, quand tu m'as salué, l'enfant qui est dans mon sein a tressailli d'allégresse. Heureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Amen. Amen. La mission étant l'urgence des urgences, on doit sacrifier la salutation sur l'autel du salut éternel. Il y a des gens qui aiment des rencontres mondaines. Hein? Se retrouver là à parler de la bière. Il y a une urgence, l'évangélisation. Imaginez tous les jeunes de la paroisse ici, s'ils s'investissaient dans l'évangélisation. Nous pouvons changer la vie de Mboujimaï. Mais nous avons des gens qui ne comprennent pas que c'est une urgence, l'évangélisation. Deuxième modèle néo-testamentaire, l'étoile de Noël. Là, je prends un astre, pas une personne humaine, mais un astre. Et... c'est important. À la naissance de Jésus, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. Matthieu 2, 1 à 2. Cette étoile est la confirmation de ses paroles. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Psaume 19, 1. Être missionnaire, c'est devenir cette étoile qui mène, même en silence, au Christ. Il y a des gens qui peuvent penser que la mission, c'est simplement parler. Mais je prends l'étoile de Noël comme modèle missionnaire. Je dis, cette étoile ne parlait pas, elle brillait seulement. Et il a montré au monde que Christ est ici, à Bethléem. Et des mages venus de l'Orient ont suivi l'étoile qui brillait. Quand tu ne sais pas parler, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, moi je ne sais pas parler, je ne connais pas le français, je ne parle pas bien français, je ne connais même pas les tchoubas, je n'ai pas le langage facile. Dieu te dit, il y a possibilité pour toi d'être évangélisateur en brillant comme cette étoile de Noël. Elle n'a pas parlé, il n'y avait pas de mots, mais elle brillait seulement. Et il a tiré le monde, et il a tiré les mages vers Jésus. Amen. Que même ton silence attire les hommes vers Dieu. Que même quand tu t'étais, que ton silence soit éloquent. Qu'il y ait de l'éloquence dans ton silence. Et que cette éloquence soit au service de la providence, au service de Jésus-Christ. Je ne parle pas, mais les gens viennent. Parce que vous savez, il y a des milieux où tu peux te retrouver comme ça, tu n'as pas la possibilité de prendre la parole et de parler au nom de Jésus. Si tu vis par exemple aux Émirats arabes, tu vas prêcher comment? C'est difficile de prêcher là-bas. Là, tu es témoin à travers ta vie. Parce que c'est interdit de prêcher là-bas. Tu ne peux pas annoncer l'évangile là-bas. Tu ne peux pas prêcher là-bas. À la Mecque, toi, tu vas prêcher. Tu vas prêcher. Tu vas prêcher. Alors là, si tu es chrétien, tu es à la Mecque. Sois seulement une étoile qui brille. Que Dieu mette en toi de la brillance. Et il y a aussi des milieux dans lesquels tu serais difficile de prêcher. Tu te retrouves, tu es chauffeur d'un grand monsieur. Toi, tu vas lui prêcher comment? Tu vas commencer, chef, il faut prier. Non. Que ta vie soit une prédication. Sois comme l'étoile de Noël. Brille seulement. Et que ce mage-là, ces grands hommes-là viennent rendre des hommages
au rocher des âges. Parce que toi, tu es là, tu es l'image de Dieu. Et parce que toi, tu es l'image de Dieu, les mages rendent hommage au rocher des âges. Amen. Étoile de Noël. C'est pourquoi le silence est éloquent. Les gens croient qu'on évangélise seulement en parlant. Non, on évangélise aussi en se taisant. Notre thème, c'était « Il nous est impossible de nous taire ». Oui, l'étoile donne l'impression de se taire, mais elle parle. Parce que des mages venus d'Orient ont été attirés par elle. Soit l'étoile de Noël. Soit l'étoile de Noël. Troisième modèle missionnaire, la Samaritaine. Cette femme aux mœurs légères est pour nous une très grande interpellation. Alors que la vérité nous rebute, elle fut séduite par ce marteau qu'est la parole de Dieu. Jérémie 23, 29. On dit, la parole de Dieu est un marteau. Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris et celui que tu as là n'est pas le tien. La femme, au lieu de se fâcher, a couru laissant sa cruche d'eau. Elle est allée dire au monde, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Jean 4, 29. Être missionnaire, c'est aussi refuser de se taire sur ces vérités qui ne nous changent qu'en nous dérangeant, qui ne nous changent qu'en nous brisant. Être missionnaire, c'est donner au prédicateur la joie que cette femme a donnée à Jésus ce jour-là. Jésus a dit, j'ai été dur avec cette femme, mais elle ne m'a pas fui. J'ai été dur avec elle, mais elle est devenue évangéliste. Elle est allée dire au monde, venez voir un homme qui m'a dit la vérité. Elle ne s'est pas fâchée. Elle dit, non, cet homme m'a dit la vérité. Je peux me fâcher sur le champ, mais quand je rentre dans mon fort interne, je vois que ce qu'il a dit est vrai sur toute la ligne. Et c'est peut-être pour ça que je me fâche, parce que c'est justement la vérité. Mais cette femme est allée dire au monde, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Le prédicateur de l'évangile, le missionnaire, ne doit jamais nous poser cette question. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Galates 4, 16. Il ne faut pas que le prédicateur de l'évangile puisse vous dire à vous, oh mon frère, oh ma soeur, suis-je devenu ton ennemi parce que je t'ai dit la vérité? Non. Toi, tu dois lui dire, l'encourager. Homme de Dieu, dis-moi la vérité. Ça fait mal, mais dis-moi la vérité. Ta vérité est médicinale. C'est comme la piqûre des médecins. Elle fait mal, mais elle guérit. Qu'elle me fasse mal, cette piqûre, mais qu'elle me guérisse. Qu'elle me brise. Oh, Dieu aime l'esprit brisé, le cœur broyé. Voilà le sacrifice qui plaît à Dieu. Nous devons faciliter le travail. Comme je le disais ici, il y a des provinces, il y a des villes où tu ne peux pas prêcher librement. Où les gens ont leur évangile. Où les gens ont les lignes rouges qu'un prédicateur ne peut pas franchir. Prêche jusque-là, n'arrive pas jusqu'ici. Des prédicateurs qui ont des ébénézères, leur imposés par les fidèles. Arrête-toi jusqu'ici, ne va pas au-delà. Ils ont des rubicons qui ne peuvent pas franchir. Imposés non par le Saint-Esprit, mais imposés par les chrétiens. Comme nous sommes des homosexuels, ne touche pas ce sujet. Comme nous avons perdu la virginité, ne touche pas ce point. Comme nous avons un problème avec nos maris, ne prêche pas sur la soumission des femmes. Comme nous sommes infidèles avec nos femmes, ne prêche pas sur l'amour que nous devons manifester à nos épouses. Rubicon, arrête-toi là-bas. Parle des généralités sur le mariage. Définis seulement le mariage d'après les dictionnaires. Ne donne pas des exemples. Ne tenons pas captive la parole de Dieu. Un homme n'a pas le droit de tenir captive la parole de Dieu. L'homme doit laisser libre la parole de Dieu. Il doit plaider pour la liberté de la parole de Dieu. De la même manière que nous plaidons pour la liberté de la presse.
la liberté d'opinion. La liberté, ce n'est pas d'association. Toutes les libertés là. Hein? De la même manière, nous devons plaider pour la liberté de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit libre. Que personne n'enchaîne la parole de Dieu. Dites à votre voisin, n'enchaînez pas la parole. Et je vous ai toujours dit, je me posais toujours la question, pourquoi Dieu a voulu que j'aille un peu en Europe? Je vous ai donné la réponse. J'ai dit, Dieu m'envoie en Europe pour me dire, Abel, tu vois ce qui arrive à l'Europe. Si vous ne faites pas attention, ça arrivera en Afrique. Si vous ne formez pas des disciples, demain l'église d'Afrique sera comme l'église d'Europe. Déjà, regardez vos frères qui sont en Europe, comment ils sont devenus. Ils sont devenus allergiques, trop susceptibles. Vous ne pouvez pas prêcher librement. Dans une assemblée de ces frères-là, vous devez prêcher avec des pincettes. Vous devez atténuer, mettre tellement de l'eau dans votre vin, au point qu'à la fin, vous n'avez plus du vin, mais vous avez de l'eau, simplement. Tellement vous avez mis de l'eau. Vous n'avez plus l'évangile, c'est plus du vin, hein? C'est de l'eau. Oh, si j'ai dit ça, ils vont se fâcher. Si j'ai dit ça, finalement, vous ne dites rien. Vous êtes dans les généralités. Mais ce sont les chrétiens qui tuent l'église. Parce qu'ils ne laissent pas la parole libre. Parce qu'ils ne laissent pas les prédicateurs libres. C'est les chrétiens qui devaient dire, Monsieur l'abbé, si vous avez quelque chose à me dire, dites-moi. Ne vous gênez pas. Dites-moi. Même si c'est dur, ça va me faire mal, mais dites-moi. Les chrétiens devraient dire ça à leur pasteur. Souvent. Monsieur l'abbé, si vous avez quelque chose, dites-moi. Mon pasteur, si vous avez quelque chose, dites-moi. N'hésitez pas. Ça passe ou ça casse. Mais j'accepte. Ne touchez pas ceci, ne touchez pas cela. Chacun a ses oins. Si un homme est marié et qu'il a une deuxième femme, la deuxième femme là est devenue son oin ou sa ointe. Ne touchez pas à mes oins. Si une femme prend l'argent, vole l'argent de son mari, ne prêchez pas sur les femmes qui volent l'argent de leur mari. Ne touchez pas à mes oins. Voilà les oins de cette femme là. L'argent. Une fille qui a perdu la virginité. La virginité est devenue son oin. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à ma virginité. Ou à ma perte de virginité. Nous, on prêchera sur la virginité. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Que tu sois fâché ou contente. On prêchera. Parce qu'on est convaincu qu'on sauvera même une personne. Amen. 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 Et l'église devait se prendre, monsieur l'abbé, ce dernier jour, vous ne prêchez plus sur la virginité. Hein? Nous avons nos filles, mais ça veut prêcher un peu. Vous savez, ce dernier temps, vous ne nous attaquez pas, nous, les femmes, sur notre insoumission. Vous savez, depuis que vous ne parlez pas de ça, je suis devenue insoumise. Hein? Mais ça veut frapper nous un peu sur ce point-là. Vous savez, insister un peu là. J'ai des problèmes avec mon mari. Il y a des femmes qui respectent la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as l'argent aujourd'hui, parce que tu as étudié, parce que tu vis en Europe, que tu deviens au-dessus de la parole. L'Europe n'est pas au-dessus de la parole. Même toi qui habites l'Europe, tu n'es pas au-dessus de la parole. Oh, moi, je suis en Europe. Ce que l'abbé prêche là, c'est des vieilleries. Oui, nous préférons prêcher des vieilleries. Nous les prêcherons. Toi, tu ne portes pas les vieilleries. Les vieilleries, tu portes. Et nous, on ne va pas prêcher les vieilleries. Nous prêcherons ce vieil évangile. Nous le prêcherons jusqu'au retour du Christ. Je vais tout faire, mais il y aura toujours un petit reste qui prêchera le véritable évangile. L'évangile dur sera prêché. De la vérité de Jésus qui dit à cette femme, tu as eu 5 maris et celui que tu as là n'est pas le tien. Il faut qu'il y ait des gens qui soient directs, qui ne prêchent pas en l'air, mais qui prêchent en pointant du doigt. Tu as eu 5 maris et celui que tu as là n'est pas le tien. Il y aura aussi toujours des femmes qui, comme la Samaritaine, modèle missionnaire, on lui prêche des choses dures, mais elle prend, elle s'appuie sur les choses dures pour évangéliser. On m'a dit tout ce que j'ai fait. Quatrième modèle néo-testamentaire, Lazare le miraculé. Une grande multitude de juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare. Qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de juifs s'est retiré d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Jean 12, 9 à 11. Vous voyez, Jésus a ressuscité Lazare. Lazare était miraculé.
Et les gens viennent, non seulement pour voir Jésus, mais aussi pour voir Lazare, que Jésus a resté d'entre les morts. J'ai dit encore que ce que Dieu fait pour toi, fera de toi un lieu d'évangélisation. Les gens viendront voir Jésus, mais viendront te voir. Sois un miraculé, et que les hommes viennent te voir. Que ceux qui viennent voir Jésus-Christ viennent aussi te voir. Que Dieu fasse pour toi quelque chose de fort qui fera que les hommes venus pour voir Jésus-Christ profiteront aussi pour te voir. C'est la maman là dont vous avez parlé? C'est le papa dont vous avez parlé? En tout cas, c'est sérieux. C'est vous, les jeunes hommes qui n'avaient rien, les jeunes hommes que Dieu a élevés, les jeunes hommes qui viennent d'une famille pauvre là, et qui a maintenant une entreprise. C'est toi, le papa là qui a été combattu, mais que Dieu a élevé aujourd'hui. C'est lui. Oh, vraiment papa, nous avons appris. C'est ce que j'ai dit ici. Même quand ils se taisent, les miraculés parlent, et à cause d'eux, beaucoup croient. Zacharie 8, 23. Lisons les textes avec force, en voulant qu'ils se réalisent pour notre communauté. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Les miracles que Dieu fait pour nous attirent le monde. Nous irons avec vous parce que nous avons appris que Dieu est avec vous. Le monde aujourd'hui saura que Dieu est avec nous. C'est à travers aussi les merveilles de Dieu. C'est vrai, à travers notre comportement. Mais le comportement du saint, les gens douteront toujours. Mais si vous avez de l'argent, personne ne va en douter. Vous achetez une maison, tout le monde voit. Vous achetez un véhicule, tout le monde voit. Vous achetez un train, tout le monde verra. Vous achetez un avion. Comme cette blague-là que j'ai lue. On dit, enfant d'un milliardaire arabe, qui vient des Émirats arabes là, il étudie en Allemagne. Alors il écrit à son père: chaque jour j'ai honte quand je vois les autres venir en train. Et moi, je viens toujours en véhicule luxueux. Les autres viennent par train. Après quelques jours, son père lui envoie un chèque. Il lui écrit: voici l'argent, paye un train et cesse de te plaindre. Est-ce que tu as compris? En Europe, venir avec le train, c'est être pauvre. Alors lui, c'est l'enfant d'un pétrodollar. Il vient toujours avec un véhicule luxueux. Et il a honte que lui, il a beaucoup d'argent, les autres n'ont rien. Alors il écrit à son père: j'ai honte d'aller à l'université chaque jour en véhicule et de voir les autres venir en train. Alors son papa m'a compris. Il dit: mon enfant est en train de dire, il n'a pas de train, je lui paye un train. Alors le papa écrit une lettre et dit: je t'envoie tant de millions, paye ton train, apprends à ne pas te plaindre. Une voiture coûte moins cher par rapport au train. Et les trains, tu dois avoir des chemins de fer. Mais écoutez, ce papa-là, il est à ce niveau-là. Que son fils, quand il se plaint, et le papa résout ça en lui payant un train. Amen. Dis à ton voisin: paye-toi pour commencer un vélo. Il fait des miracles seulement en l'air. Il fait pour qui? Qu'il fasse pour toi. Qu'il fasse pour toi. C'est le défi que tu as. C'est le défi que tu as. C'est les défis que tu as. Il y a des hommes qui se moquent de nos prières. Il y a des hommes qui se moquent de ta prière. Il y a des hommes qui disent que tu passes ton temps. Bien-aimé, n'accepte pas que ce match se termine ainsi. Ce match ne se terminera pas ainsi. Que ça ne se termine pas ainsi. Qu'est-ce que ces gens vont gagner? Tu vas les rencontrer dans 5 ans. Eux qui ne priaient pas, ils ont toujours des véhicules. Ils ont toujours des maisons. Et toi qui priais là, tu n'as toujours rien. Tu vas leur dire quoi? Oh, j'attends. Dieu va agir. J'attendrai. Non! Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Que ta richesse, que ta délivrance, que ta postérité, que ta postérité, que tes enfants, que ta progéniture témoignent en ta faveur. Témoignent en ta faveur. Que ce soit un lieu d'évangélisation. Dimanche de mission. Que ce soit un lieu missionnaire. Que ta bénédiction.
bénédiction soit un lieu missionnaire. Que ta bénédiction soit un argument missionnaire. Que ta bénédiction, que ta délivrance soit un argument missionnaire. Il a un Dieu puissant. Oh Lazare, nous sommes venus voir Jésus, mais nous sommes aussi venus voir Lazare, les miraculés. Nous sommes venus voir Jésus, le thaumaturge, le faiseur des miracles. Et nous sommes venus aussi voir Lazare, le miraculé, les bénéficiaires du miracle. Parce que c'est la suite souvent qui nous arrive. Les gens ont dit, on va aussi tuer Lazare. C'est peut-être ça qui t'arrive, que les gens veulent te tuer, que les gens veulent te faire du mal, alors que tu n'as rien. Mais avant ça, avant qu'ils ne pensent à tuer Lazare, ils ont vu des gens venir voir Lazare. Et ça, ça les a rendus jaloux. Ils ont dit, on va aussi les tuer. Comme les gens commencent à croire en Jésus à cause de lui, grâce à lui. Écoutez le texte, il est beau. Donc tu es un lieu missionnaire. Ta guérison va devenir un argument missionnaire. L'argument missionnaire, ce n'est pas seulement un verset de la Bible. L'argument missionnaire, c'est toi. Écoutez ce que dit la Bible. Les sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de juifs s'est retiré d'eux à cause de lui et croyant en Jésus. Les gens peuvent croire parce qu'on leur donne un verset de la Bible. Les gens peuvent croire parce qu'on leur donne un argument théologique. Mais il y a des gens qui ne croiront que si ta vie est transformée. Tu dois être un argument biblique, un argument théologique, un lieu missionnaire, un argument missionnaire, un lieu d'évangélisation. On dit, mais cet homme, tu as fait pour lui de grandes choses. Nous pouvons aussi aller là-bas. Dieu fera pour nous. Zacharie 8, 23. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, des nations, saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Que Dieu honore sa parole. Amen. Cinquième modèle, missionnaire du Nouveau Testament, Pierre le renégat. Pierre qui a régné le Christ, il a rencontré le Christ. Il a rencontré le Christ sur son chemin. Amen. Hein? Et Pierre, Jésus leur a dit à tous, vous allez me régner. Pierre a dit, non, tous peuvent te régner sauf moi. Jésus dit, tu vas me régner. Avant que le coq ne chante deux fois, toi tu m'auras régné trois fois. Et c'est ce qui est arrivé. Pierre a régné le Christ. Mais lorsqu'il régnait le Christ, les gens lui ont dit, ton langage t'est trahi. Ton langage t'est trahi. Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Matthieu 26, 73 à 75. Le langage qui nous trahit, ses sons, ses regrets et ses larmes qui accompagnent nos reniements. Si tu es de Jésus-Christ, même en le reniant là, il y aura toujours des regrets. Il y a des regrets qui vont sentir. Il y a des larmes qui vont se faire voir. Parce que tu as déjà rencontré le Christ. Le Christ t'a déjà influencé, comme on dit. Il t'a déjà influencé, il t'a déjà impacté au point que même lorsque tu le renies, tu ne peux pas le renier totalement. Quelque chose te trahira. Quelque chose te trahira. D'abord dans la vie que chaque jour ici, on dit qu'il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas de crime parfait. Alors en Dieu, il n'y en a pas non plus. Si tu appartiens à Jésus-Christ, même dans ton reniement là, tu vas confesser que tu appartiens au Christ. C'est ça qu'on demande aux chrétiens. Et c'est ça qu'on doit voir chez les chrétiens. Quand un chrétien ment, on doit sentir qu'il ment. Parce qu'il ne sait pas mentir. Quand un chrétien vole, on doit sentir que c'est un chrétien, car il ne sait pas voler. Quand un chrétien est infidèle, on doit pouvoir l'attraper. Parce que c'est un chrétien, il ne sait pas être infidèle. Mais un chrétien qui pêche et qu'on n'attrape pas, là c'est un faux chrétien. Dis à ton voisin qu'on t'attrape si tu es chrétien. Dis-lui, si tu es chrétien, qu'on t'attrape. Alors, si on ne t'attrape pas,
C'est que tu n'es pas chrétien. Tu es devenu un professionnel du vice. Un professionnel du péché. On doit quand même t'arrêter. Parce que tu ne t'y connais pas. Tu ne connais pas les profondeurs de Satan. C'est ça, Pierre. Réunion, le Christ n'arrive pas. Amen. Comme cette histoire que j'ai suivie sur Internet. Une fille, on dit qu'elle était en quatrième des humanités. Elle tombe enceinte. Elle cache sa grossesse. Elle cache sa grossesse. Elle va même mettre au monde. Elle habite Bandal. Elle va mettre au monde à Massina. Ceux qui ont été ont une idée. Alors, elle met au monde à Massina, normalement comme ça. Elle fuit l'hôpital, la maternité. Mais avant de fuir, on lui a demandé son adresse. Alors, comme elle ne s'est pas trompée, elle prend son avenue qui existe, mais elle change de commune. Elle dit, par exemple, j'habite avenue Maïndome, mais dans la commune de Lingwala. Alors, quand on regarde celui qui écrit, ne connaît pas Lingwala. Il prend, il dit Maïndome, Lingwala. Quand on reste à l'hôpital, elle a fui l'enfant. Alors, on commence à chercher l'adresse. On dit, allons d'abord chercher avenue Maïndome, Lingwala. On arrive à Lingwala, il dit, il n'y a pas d'avenue Maïndome ici. Alors, quelqu'un dit, non! Cette avenue-là, c'est à Bandal. Elle avait donné le numéro et l'avenue, elle a seulement changé de commune. Et on l'a attrapée parce qu'elle ne s'y connaît pas. Mais un vrai voleur va donner une adresse qui n'existe pas. Même une commune qui n'existe pas. Tu voles à la maison depuis 5 ans, on ne t'attrape pas. C'est que tu n'es pas un chrétien. On doit t'attraper. Voilà les modèles à suivre. Ils sont nombreux, mais dans chaque modèle, on nous a montré comment être missionnaire. J'ai dit, même dans son péché, le chrétien qui a rencontré le Christ est toujours missionnaire. Son langage le trahit. L'essentiel, c'est d'avoir rencontré le maître. Même le monde peut te repêcher. Même le monde peut te sauver. Tu peux arriver quelque part, toi, on voit que tu es un prêtre. Hein? Papa, comment vous savez ça? On t'a attrapé. Tu avais peut-être des programmes, tu vas arrêter. Parce que comment on a su que je suis prêtre ici? C'est ça, tellement tu as rencontré le Christ, il t'a tellement impacté que cet impact va commencer à t'aider. Voilà, si personne n'avait dit à Pierre, tu étais l'un d'eux, Pierre n'aurait pas pleuré si les gens l'avaient laissé tranquille. Mais comme il était disciple de Jésus-Christ, il avait rencontré, les gens commençaient à le déranger. Toi tu étais avec le Christ, toi tu étais avec lui, toi tu étais avec lui. Et finalement, le coq a chanté, il a commencé à pleurer. Mais j'ai dit que déjà dans son réuniment là, il y avait des larmes, il y avait des regrets, il y avait du remords. Pierre ne savait pas régner le Christ parce qu'il l'avait rencontré. Quand tu rencontres le Christ, il te marque pour toujours. Amen. Alors je termine avec 5 modèles missionnaires à ne pas suivre. Modèle missionnaire entre griffes. En ce dimanche d'émission, il s'y est aussi de parler de la facilité que nous avons à être des missionnaires du mal et du malin. Si nous avons des difficultés à annoncer la bonne nouvelle, je vais montrer dans cette partie que nous avons de la facilité à annoncer le mal et le malheur. À être missionnaires de Satan. Là, c'est facile pour nous. Tu verras quelqu'un qui a peur de témoigner de Jésus-Christ, mais facilement, il va raconter une fausse histoire sur son frère ou sa sœur. Je m'inspire de Siracide 19, 7 à 12, que je vous demande de lire avec moi. Lisons ensemble. Ne rapporte jamais ce qu'on t'a dit, et jamais on ne te nuira. À ton ami comme à ton ennemi, ne raconte rien. À moins qu'il y ait faute pour toi, ne les révèle pas. On t'écouterait, on se méfierait de toi, et à l'occasion, on te haïrait. As-tu entendu quelque chose? Sois un tombeau. Courage, tu n'en éclateras pas. Une parole entendue, et voilà le sceau en travail, comme la femme en mal d'enfant. Une flèche plantée dans la cuisse, telle est une parole dans le ventre du sceau. On dit, si tu entends quelque chose, sois un tombeau. Courage, tu ne vas pas éclater. Une parole entendue, et voilà le sceau en travail, comme la femme a mal d'enfant. Tu n'as pas besoin qu'on te prêche. Tu n'as pas pour ça besoin d'un dimanche d'émission. Toi-même, tu t'es fait missionnaire du mal.
dès que tu vois quelque chose de mauvais, tu vas directement raconter. Tu n'as même pas besoin de vérifier. Tu n'as même pas besoin du Saint-Esprit. Tu le fais toi-même, de ta propre initiative, motu proprio, tu le fais toi-même. On dit, une flèche plantée dans la cuisse, telle est une parole dans le ventre du sceau. Quand le sceau a une parole dans le ventre, il est comme un homme qui a une flèche dans sa cuisse. Quand tu as une flèche dans ta cuisse, tout ce que tu cherches, c'est de l'enlever. De l'enlever. Quand tu as une parole, tu ne peux pas garder. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Notre thème, il nous est impossible de nous taire. Mais toi, tu pratiques ça pour des mauvaises choses. Le thème ici, tu le vis pour autre chose. Tu le vis, pas pour Dieu, mais pour Satan. Tu le vis, pas pour faire le bien, mais pour nuire. Pour nuire, il est impossible que tu te taises. Pour faire du mal, il est impossible que tu te taises. Pour calomnier, médire des gens, il est impossible que tu te taises. Premier modèle, Cam, le fils de Noé. Son père, il est cultivateur de la vigne et il fabrique donc du vin. Je pense qu'il était en train de goûter pour la première fois et il s'est enivré. Parce que certainement, il n'avait pas la maîtrise du dosage. Il ne sait pas le pourcentage d'alcool qu'il y avait dedans. Alors, il en a abusé. Il a pris un verre de trop. Et Noé s'est enivré. La Bible dit qu'il s'est couché nu à l'intérieur de sa tente. Ce n'était pas à l'extérieur. Retenez ça. C'était à l'intérieur de la tente. Ce n'était pas sur la rue que Noé s'est déshabillé. C'était à l'intérieur de sa tente. Son fils Cam passe par là, à l'intérieur de la tente, et il voit son papa nu. Il a vu, nous le pensons, nous le croyons, par inadvertance. Il devait soit se taire, soit faire les deux, couvrir la nudité de son père et se taire. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et avertit ses deux frères au dehors. Sans la couvrir, il va avertir. C'était des histoires de l'intérieur, mais lui a amené ça au dehors. Sem, Japhet, papa est là à l'intérieur, il est nu. À l'intérieur de la tente, il est nu. Papa, il est nu. C'était lui le cadet. Hein? Papa est nu dans... Que font ses frères? Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules et marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur père. Et puis, on insiste, on a déjà dit qu'ils marchèrent à reculons. Mais l'écrivain sacré insiste et dit, leur visage était tourné en arrière et ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son fils le plus jeune. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. Il dit aussi, béni soit Yahweh, le Dieu des Sem. Et que Canaan soit son esclave, que Dieu mette Japhet au large, qu'il habite dans les tentes des Sem, et que Canaan soit son esclave. Genèse 9, 20 à 27. Être missionnaire aujourd'hui, c'est agir comme Sem et Japhet. Couvrir la nudité, la honte de son père, de ses frères, j'ajoute, et de ses sœurs. Malheureusement, il y a trop de Cam dans nos rangs qui ne peuvent se taire sur le péché de leurs frères et qui chantent au dehors tout le mal qu'ils ont vu à l'intérieur de la tente. Quand toi tu dis, il nous est impossible de nous taire, c'est par rapport à ça. Sous l'esprit qui était sur Cam, sous l'esprit qui était en Cam, c'est des histoires d'inudité. Les histoires qui font honte, que tu as vu à l'intérieur de l'église, que tu vas rapporter au dehors. Tu devais couvrir et te taire. Tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Et tu es maudit.
et tu es maudit. Et tu es maudit. Il y a des gens qui ne savent pas d'où viennent leurs malédictions. Tu as vu, c'est déjà arrivé. Ferme ta bouche. Tu as vu, c'est déjà arrivé. Couvre. Mais si tu ne sais pas couvrir, ferme au moins ta bouche. Tu as pas parlé. Oh, j'ai vu à l'église. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Quand tu fais ça, c'est pour le bien de l'église. C'est pour évangéliser ou pour désévangéliser. Voilà le modèle. Beaucoup de chrétiens sont indiscrets. D'abord, ils racontent. Quand même, on peut dire, il a vu. Mais beaucoup de chrétiens racontent des histoires sur des nudités qu'ils n'ont jamais vues. Sur des hontes dont ils n'ont jamais été les témoins. Mais ils parlent, ils racontent. Le jeune homme de nombre 11, un autre anti-modèle missionnaire, mais je l'appelle modèle missionnaire, parce que c'est ça que nous sommes. Dieu a dit à Moïse, Moïse s'est plaint auprès de Dieu, « Seigneur, la tâche est trop grande, je suis seul, je ne saurais pas l'assumer. » Dieu lui dit, bon, je vais t'adjoindre des gens qui vont travailler avec toi. Alors Dieu lui adjoint 72 anciens qui travailleront avec Moïse. Alors, le jour du rassemblement, à l'attente du rendez-vous, il y a seulement 70. Deux sont absents, Eldad et Medad. Mais comme ils étaient sur la liste, quand le Saint-Esprit arrive, ils sont aussi effusés. Le Saint-Esprit descend aussi sur eux. Alors on dit qu'il y a un jeune homme qui, voyant cela, court dire à Moïse, « Moïse, Eldad et Medad prophétisent dans les camps. » Il n'a pas dit quelque chose de bon. Quelqu'un peut dire, mais il a fait comme Joseph. Non, il n'a pas fait comme Joseph. Joseph rapporte un péché, un mal qui était fait contre son papa. Ici, il n'y a pas de mal. Le Saint-Esprit est descendu aussi sur Eldad et Medad, qui étaient aussi parmi les 72 anciens. Mais le jeune homme croit bien faire en rapportant cela à Moïse. Et il le rapporte de telle sorte que quand Josué l'entend, il dit à Moïse, empêche-les. C'est-à-dire sa façon de présenter, ce n'était pas une information. Il faisait office d'un membre du service de renseignement pour qu'on prenne des mesures contre eux, pour qu'on les suspende. Pour quel péché qu'il venait de commettre? Parce qu'il dit bien, voici Eldad et Medad qui prophétisent dans le camp. Quelle est la leçon que j'ai tirée? J'ai dit, ce jeune homme est différent de Joseph, fils de Jacob. Il ne rapporte pas un péché, mais un bien qu'il ne comprend pas. Dans les milieux chrétiens, nous sommes nombreux à accuser toute nouveauté, toute innovation, toute singularité, tout succès que nous ne contrôlons pas. Les jeunes hommes de nombre 11, ils sont en train de prier. Ils sont en train de chanter. Ils exécutent les chants des églises de réveil. Ils prient de telle manière. Ils se saluent en disant Alléluia. Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est ça que nous aimons. Ces jeunes hommes, s'il avait vu Eldad et Medad en train de boire ou de faire autre chose, il n'allait pas parler. C'est le péché des hommes de Dieu, des religieux. Ils ne veulent pas entendre parler d'un succès religieux qu'ils ne contrôlent pas, qui ne dépend pas d'eux, dont ils n'ont pas la maîtrise. Ils n'aiment pas. S'il y a un succès, que je sois à sa base. Alors, que chacun se pose la question, qu'est-ce que moi je rapporte aux autres sur la prière? Nombre 11, tu n'as pas compris, demande. Dans les milieux chrétiens, nous sommes nombreux à accuser toute nouveauté, toute innovation, toute singularité, tout succès que nous ne contrôlons pas. Ayons la maturité de Paul pour toujours dire, pourvu que Christ soit annoncé. Philippiens 1, 18. C'est ce que Moïse va dire. Josué, ne soyez pas jaloux de moi. Moi, je voudrais que tout ce peuple soit un peuple de prophètes. Que Dieu se révèle à chacun d'eux, à chacun des membres de ce peuple. C'est mon vœu. Et Dieu va transformer ce vœu de Moïse en promesse du Saint-Esprit. Il va dire, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Lui, c'est... Ah, mais Eldad et Medad prophétisent. Oui, Dieu
va démocratiser. Amen. La malécite du temps de David. Cet homme est étranger, mais il travaille dans l'armée d'Israël. Il va en guerre. Il sait que Saül n'aime pas beaucoup David. Alors, Saül meurt à la guerre de sa belle mort. Il meurt. Mais lui veut se donner un beau rôle dans cette mort. Il court voir David. Comme il savait que David avait des problèmes avec Saül, il invente une histoire. J'étais à Gilboé, j'ai trouvé Saül et avec son fils Jonathan. Ils étaient vraiment attaqués. Ils étaient sur le point de mourir. On avait déjà attaqué Saül. Il était sur le point de... Il m'a demandé à moi de le tuer et je l'ai tué. Saül me dit, qui es-tu? Je lui dis, je suis un Amalécite. Il me dit, approche-toi et donne-moi la mort. Je suis encore plein de force et pourtant me voici pris de vertige. Alors je me suis approché et je l'ai tué car je savais bien qu'il ne survivrait pas une fois tombé à terre. Puis j'ai pris la couronne qui était sur sa tête, la chaîne qu'il portait au bras, je les ai apportées ici à mon Seigneur. Lui croit que David va dire, ok, tu as tué Saül, mon ennemi, merci. Il veut se donner un beau rôle dans la mort du oint de Dieu. C'est ça qu'il prend comme une bonne nouvelle. Je vais aller dire, l'homme de Dieu est mort, c'est moi qui l'ai tué. Avec sa permission, je l'ai tué. C'est dans 2 Samuel 1, 1 à 10. Ce rapport mensonger causa la mort de son auteur. David lui dit, comment donc as-tu osé frapper à mort celui que Yahweh avait consacré? Que ton sang retombe sur ta tête. Tu t'es condamné toi-même quand tu as dit que tu avais frappé à mort l'homme consacré par Yahweh. 2 Samuel 1, 14 à 16. Être missionnaire, c'est avoir la grâce de ne pas être à l'origine de la mort d'un oint. Il y a des chrétiens qui se vantent. C'est moi qui ai fait partir tel prêtre. C'est moi qui ai fait tomber tel prêtre. C'est moi qui ai créé la chute de tel prêtre, de tel homme de Dieu. Tu te targues, tu te vantes d'avoir fait cela. D'avoir touché à un oint. Moi, je vais mettre fin à sa carrière. Merci. Moi, je vais ruiner son ministère. Merci. Écoutez ce que Dieu dit. Amalécite. Il n'a pas tué, mais il a voulu seulement s'attribuer la gloire d'avoir tué un oint de Dieu. Et pour ça, David l'a fait tuer. Ne t'attribue pas des gloires qui n'en sont pas. Tuer un homme de Dieu ne peut jamais être une gloire. Combattre un homme de Dieu ne peut jamais être une gloire. Mais c'est David qui parle, hein? L'homme selon le cœur de Dieu. Saül était un roi à problème. Saül était un roi qui lui en voulait à mort. Mais David dit, même s'il m'en veut à mort, on ne doit pas le tuer. Politesse spirituelle. J'ai prêché sur ça vendredi. Politesse spirituelle. Non, c'est un roi, c'est un consacré. Je respecte l'onction comme Michaël a respecté la nature angélique du diable. Il dit, le diable, c'est un ange. Même s'il est déchu, c'est un ange. Je dois le respecter. Que Dieu se charge de lui. Tu veux te donner un beau rôle dans une histoire. C'est nous qui sommes à la base. Le monsieur ici ne pouvait pas se taire. Je dois dire que moi, j'ai assisté à la mort de Saül. Oui, j'ai vu Saül mort, oui. Mais je veux tirer gloire de cette mort. Je vais aller raconter que c'est moi qui l'ai tué avec sa permission. Mais il y a perdu sa vie. Hein? Ne te targue pas de provoquer la chute d'un homme de Dieu. Les quatre messagers des malheurs de Job. Alors que la Bible bénit ceux qui rapportent les bonnes nouvelles, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Nous sommes souvent heureux d'annoncer les mauvaises nouvelles. Des décès, des sextapes, des condamnations. Il y a des chrétiens ici. Il y a une vidéo qui circule d'un homme de Dieu, hein, nu. Envoie-moi cette photo. C'est comme la joie que les jeunes ont aujourd'hui. Quand quelqu'un meurt, tu prends sa photo, tu mets la photo de la dépouille mortelle sur Facebook. Et ça, ce sont les proches. Hein? C'est ça que vous aimez. Il vient de mourir maintenant. Oh, qu'il repose en paix. Tu te réjouis. Tu veux avoir la primeur de l'information. Tu veux que toi, tu sois le premier à publier la photo du décès de tel abbé. Quel honneur. Vous imaginez, un abbé Blaise est mort à Kinshasa. J'étais en Europe.
quelqu'un m'envoie un message me demandant, monsieur Abbé, nous apprenons que vous êtes mort. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, je vais répondre comment? Je réponds, c'est vrai. C'est vrai, je suis mort. Il va fuir. C'est vrai, je suis mort. Demain, je viens te prendre. Ça t'apprendra à poser des questions aux morts. À demain. Il y a des gens, une famille calcinée, papa, maman et ses enfants, ils sont morts dans la maison calcinée. Quelqu'un prend les cadavres là, tel que, il met sur Facebook, papa. Ça, c'est quelle moralité? C'est quelle moralité? Gardons la bonne image de nos morts. J'ai des photos quand je suis vivant. Mettez la photo de mon vivant. Ils sont comme les messagers des malheurs de Job. Un messager a couru auprès de Job et lui dit, tes bœufs étaient en train de labourer et les ânes étaient au pâturage à côté d'eux. Quand les Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés après avoir massacré tes serviteurs. Moi seul j'ai été épargné et je viens te l'annoncer. La phrase, il parlait encore quand un autre survint et dit, va revenir à trois reprises. Il parlait encore quand un autre survint et dit, le messager des malheurs. S'il nous est impossible de taire les bonnes nouvelles, soyons les océans des secrets vicieux des autres. Garde-toi d'avoir la primeur d'annoncer les décès. Garde-toi d'avoir la primeur d'annoncer des mauvaises nouvelles. Garde-toi. Je vais être le premier à annoncer la mort de tel. Ça te réjouit? Je termine. La femme à l'esprit de Python. En Actes 16, 16 à 18, on nous parle d'une femme qui avait l'esprit de Python, qui est un esprit de divination. Donc elle pouvait aussi deviner. Elle peut aussi deviner. Elle peut aussi prédire l'avenir. Elle peut aussi dire ce que tu es. Elle a l'esprit de Python. Elle suivait Paul et Silas en disant, ces gens sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. Ces gens sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. Ces gens sont des serviteurs du très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. Elle disait vrai et faisait la publicité à ces hommes de Dieu. Mais à la fin, Paul fut excédé. Il se retourna et dit à l'esprit, je te l'ordonne. Par le nom de Jésus-Christ, sors de cette fille. Acte 16, 18. Ce texte nous dit que la question des motivations demeure au cœur de l'évangélisation. Paul qui a dit, pourvu que Christ soit annoncé, ferme la bouche à ceux qui prêchent le Christ sous un mauvais esprit. Quelqu'un peut commencer à citer Jésus, mais il est sous une mauvaise influence, sous un mauvais esprit. Il faut le faire taire. Paul a dit, pourvu que Christ soit annoncé, cette femme... C'est par esprit de divination qu'elle dit, ces hommes vous enseignent la vérité. Elle n'était pas sous la motion du Saint-Esprit. Et Paul l'a fait taire. Il l'a laissé parler pendant un temps, mais à un certain moment, il lui a fermé la bouche. Sors de cette femme. Pourquoi cet homme parle? Il y a des gens qui parlent parce qu'ils sont des flatteurs. Parce qu'on peut dire, ah, on a dit, mon père, char d'Israël. Mais si toi tu dis, mon père, char d'Israël, mais tu es un flatteur, je te dis, tais-toi, sors de cet homme. Père, je peux te dire, tais-toi, je ne suis pas ton père. Mais pourtant, je t'appelle bien. Oui, la femme qui avait l'esprit de Python a dit de bonnes choses sur Paul et Silas. Mais Paul l'a fait taire. Ah, elle ne pouvait pas se taire. Oui, elle ne pouvait pas se taire. Mais elle était sous la motion de quoi? Qu'est-ce qui la faisait parler? Qu'est-ce qui te fait parler, toi qui parles? Qu'est-ce qui te pousse à parler? Ça peut être le profit, l'intérêt. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la foi. C'est l'habitude. Comme tous les autres l'appellent père, moi aussi j'appelle père. Comme tous les autres disent, mon père, cher d'Israël et son intérêt. Moi aussi je vais dire la même chose. Mais ça ne vient pas du fond de ton cœur. Quand on voit que les motivations ne sont pas pures, on peut te la faire boucler. On peut te fermer la bouche. On peut dire, ferme-la. On peut te rabattre le caquet. Mais bien-aimé, je voudrais terminer comme j'ai commencé.
Comment un homme peut-il annoncer Jésus-Christ s'il ne l'a pas rencontré? Comment un homme peut-il parler s'il n'a pas le feu en lui? Moïse, quand Dieu lui apparaît et l'envoie, va dire. Moïse lui pose la question. Mais si je pars là-bas, s'il me demande, quel est le nom de ce Dieu qui t'a envoyé? Que leur dirais-je? À la fin de cet enseignement, c'est ça ma conclusion. Ne demande pas, ne prends pas la décision d'aller prêcher. Demande plutôt à Dieu de mettre en toi son feu. C'est ça le véritable dimanche de la mission. Ce n'est pas dire, à partir d'aujourd'hui, je vais aller prêcher. Non! Tu vas mal le faire. Tu vas le faire aujourd'hui, tu ne le feras pas demain. Tu vas le faire après demain, tu ne le feras pas après un mois. Il faut que tu aies le feu de Dieu en toi. Il faut que Dieu te rencontre et te donne la mission. Moïse a dit, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Il faut que tu connaisses le nom de Dieu. Il faut que tu aies rencontré vraiment ce Dieu-là, qu'il t'ait envoyé. Là, ça change tout. Là, même si tu fuis, il va te poursuivre comme Jonas. Mais même si tu le trahis, tu veux le renier. Oh, on va t'avoir comme on a eu Pierre. L'essentiel, c'est d'avoir rencontré Dieu. Aujourd'hui, dimanche de la mission, que chacun de nous demande à Dieu, Seigneur, j'ai aussi envie, en écoutant cet enseignement, d'aller prêcher, d'aller annoncer ta bonne nouvelle. Mais regarde, mon prêtre vient de calmer mes ardeurs en me disant, ne va pas vite prêcher. Regarde les apôtres, chaque fois qu'ils sont allés prêcher, Jésus les a envoyés. En Luc 10, en Matthieu 10. Mais à la fin, alors qu'il était déjà ressuscité, alors qu'il leur était déjà apparu, il leur a dit, attendez à Jérusalem. Ne sortez pas tant que vous ne serez pas encore revêtus de la puissance d'en haut. Et les apôtres ont attendu 50 jours. Pentecôte. 50 jours, ils ont attendu. Et durant 50 jours, Dieu ne faisait que les revêtir. Et le 50e jour, il a conclu. Il a couronné son revêtement. Et ils sont sortis. Voyez ce qui est arrivé. Vous connaissez la suite de l'histoire. Quand ils ont attendu et qu'ils ont été revêtus, regardez les fruits de leur évangélisation. Ne sors pas vite pour aller prêcher. Demande à Dieu son feu. Demande à Dieu de mettre en toi le feu dévorant. Si le feu est en toi, tu diras aussi, non possumus, nous ne pouvons pas ne pas. Il nous est impossible de nous taire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.